Salut. Bonjour. Salut Louise. Salut. Salut Cameroun Obosso. Salut Françoise Camto. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Partagez, merci. Merci. Le son, il est bon? Le son. Salut Christian. Salut Wande, salut. Je veux mettre un peu de musique en attendant les partages et partager aussi sur la page. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça fait? Partager. Je suis en train de vouloir d'abord partager. Je vais partager, on partage. On partage. On partage, on partage. Salut Gomépé. Salut Genevois. Salut. Ok, merci. Salut. Salut Mayou. Merci. Salut Glaskov. Salut, partagez le temps qu'on partage. Je partage aussi sur ma page. Voilà. J'essaye de partager aussi sur ma page. J'essaye de partager sur ma page. Voilà. Partageons, soyons nombreux avant de commencer. Avant de commencer avec ce direct, on a le marathon des directs, comme vous avez vu, de la Révolution. C'est encore une journée de marathon pour qu'on soit toujours connecté, ajourné, pour qu'on échange, que ce soit notre télé en fait. On est une plateforme. Salut Rudolf, merci. Merci Françoise, merci. Salut Gisela. Je cherche à partager le direct alors. Non. Excusez, excusez, excusez. Qu'est-ce que ça fait? Partageons le direct. Je voulais mettre un peu de son en attendant qu'on partage. En attendant qu'on partage. Salut, Talibé. En attendant qu'on partage le direct. Un instant, je vais mettre un peu de son. Essayer de suivre un peu de son. Alors, un peu de son. Bonjour, bonjour, excusez un peu. On va commencer avec notre son de la Révolution pour nous donner de la. Du courage, malgré les arrestations, l'arrestation de Maître Ndoki. On va prendre un peu. On va commencer par le son de la résistance, comme on commence toujours nos directs. Le son de la résistance de Valsero. Excusez un instant, je suis en train de mettre le son. Un instant, un instant, un instant. Excusez, partagez le direct. Aujourd'hui. Comme vous avez vu d'entrée, on va parler de la Journée internationale de la femme. C'est consacré beaucoup plus à la femme, à la femme, à la femme en général et la femme camerounaise en particulier.
Donc, je vais expliquer. Je vais expliquer un peu l'origine de cette fête. Et en plus, je vais m'adresser aux femmes camerounaises et je vais vous donner les lignes de conduite, ce qu'on a décidé pour cette journée internationale de la femme pour la résistance. Bon, on suit notre chant de la résolution, de la révolution d'abord. Non, de la révolution. Bonjour Josué. Vraiment, ouais. Merci Josué. Partageons le direct et... Oh, Higo Kiwitaya. Oh, Higo Kiwitaya. How many people Paul Biago kill? Les années de galère n'ont pas suffi. Merci Ulrich, merci. Salut. Merci mon commandant. Peur ne m'habite plus. Je suis en train de partager entre-temps, je suis le son de la résistance. Après, on entre dans notre sujet. Première chance. How many people Paul Biago kill? How many people this mango? Oh, he go kiwitaya. Oh, he go kiwitaya. Oh, he go kiwitaya. How many people for Van Gogh? Ta marche. Salut Simplice, t'aimer, merci. Salut Florence, merci. Salut Champion Bami, merci. Salut. Prenons place pour partager encore aujourd'hui. Ah, salut Harold. J'ai demandé, veux-tu la liberté? How many people this mango kill? How many people this mango kill? Oh, he go kiwitaya. Oh, he go kiwitaya. Oh, he go kiwitaya. How many people this mango kill? Salut Stéphanie. Rassemblement sur la place des vacances, le grand rassemblement. Levez-vous. Salut Nathalie, merci. How many people this mango kill? How many people this mango kill? Oh, he go kiwitaya. Oh, he go. Je partage, je partage. Entre-temps. He go kiwitaya. How many people this mango kill?
Merci, Sam Trésor. Merci. Voilà. Voilà. On va commencer. On va commencer. Un instant, 2 minutes. Excusez. Le fait de ne pas pouvoir avoir. J'ai pas de téléphone, donc je fais un peu. J'ai des difficultés. J'ai des difficultés avec ce téléphone. Bon, on va commencer. Alors, aujourd'hui, le thème porte sur la Journée internationale de la femme. Mais avant de commencer ce thème-là, je vais d'abord parler de nos héros nationaux qui sont pardon, qui ont été arrêtés. Qui ont été arrêtés de manière arbitraire et je vais demander leur libération et je vais vous demander de vous rappeler d'eux, de demander leur libération tous les jours déjà sur vos murs Facebook, ne les oubliez pas. La dernière fois, j'ai parlé de 5 d'entre eux. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu d'autres informations supplémentaires pour continuer à parler d'eux, pour qu'on se rappelle d'eux et pour montrer comment ce sont des héros parce qu'ils combattent pour la libération du Cameroun. Ils combattent pour le Cameroun. Ce sont nos héros et héroïnes. Et je vous demande de ne pas les oublier. Je demande la libération du président élu. Du président élu en la personne de Son Excellence Maurice Kamto. Je demande la libération de tous les prisonniers politiques. Je demande la libération de Valsero. Je demande la libération de Paul Éric Kingué. Je demande la libération de Alain Fouégué. Je demande de tous. On demande la libération de tous parce qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien. Ils n'ont commis aucune infraction. Ce qu'on veut leur faire endosser, c'est pas vrai. Donc, je demande leur libération et je vous demande aussi à vous de ne pas les oublier. Voilà, hier, on a arrêté notre héroïne, Madame Doki, Mundoki, on l'a arrêtée. Et des gens ont inventé des conditions, on ne sait pas dans lesquelles on l'arrête et tout. Ça nous renforce encore, nous femmes, de nous indigner, de nous indigner. C'est pourquoi ce thème aujourd'hui, la Journée internationale de la femme, la femme. La femme dans la société, la femme, quel est son rôle, la femme, qu'est-ce qu'elle doit faire durant cette journée-là. Voilà. Donc, voilà le thème aujourd'hui. Salut, DND, tu as calme. Voilà le thème d'aujourd'hui, la Journée internationale de la femme. Alors, comme on a commencé, comme le titre le disait, après avoir demandé la libération de tous les prisonniers, après avoir dit qu'on se rappelle d'eux, après avoir dit qu'il y a des litchis qui circulent, en fait, du MRC pour la cotisation, pour ceux qui veulent avoir un élan de cœur pour eux, parce qu'il faut les apporter à manger, il faut s'occuper d'eux dans les prisons. Donc, du coup, je vous demande de regarder sur le net et d'apporter cet élan de cœur-là. On va passer directement à notre sujet du jour. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'était le 8 mars. Le premier volet, c'était, je vous demande déjà aussi à vous, connaissez-vous l'origine de ce 8 mars? Je ne sais pas si vous connaissez l'origine de ce 8 mars. Bon, moi, je vais vous faire, d'après mes recherches, d'après mes recherches, je vais vous faire un bref aperçu de ce que j'ai pris comme information. En fait, le 8 mars, c'est une journée qui a commencé depuis dans le temps. Il y a une légende qui parle, c'était en 18 ans, en 1800, si je ne me trompe, 1857. C'est une légende qu'il y a eu des couturières new-yorkaises qui sont sorties dans les rues et elles ont jeûné pour demander leurs droits. Donc, en fait, la journée du 8 mars a évolué au fil des temps, au fil des temps. Il y a cette légende de 1857, mais qui n'est pas prouvée. On n'a pas des images de ça. On n'a rien de ça. Donc, mais c'est une légende.
Et il n'y a pas, en fait, on n'a pas pu remonter à ça. Qu'il y avait des femmes qui se sont levées, elles ont jeûné, elles se sont mises dans les rues pour réclamer leurs droits. De toutes les manières, l'origine du 8 mars, c'est après plusieurs manifestations des femmes durant le temps parce qu'elles réclamaient leurs droits. Elles réclamaient le droit de voter, le droit à l'éducation, le droit à accéder à des fonctions publiques, le droit à l'égalité avec des hommes. Alors, il faut aussi qu'on se dise une chose, égalité ne veut pas dire rivalité. Égalité, il faut que les hommes qui nous écoutent sachent que quand on parle d'égalité, ça ne veut pas dire rivalité. Avec notre culture africaine, on sait que l'homme est le chef de la famille, l'homme c'est lui qui est devant, mais on demande l'égalité dans le sens qu'on veut que à travail égal salaire. C'est un peu ça, voilà. Donc c'est ce que les femmes revendiquaient. Elles revendiquaient aussi le droit de s'exprimer tout au long des années, quoi. Donc ça a commencé déjà au 20e siècle, oui, c'était pendant le 20e siècle. On a observé en 2000, en fait, elle a été reconnue à Copenhague en 1911, voilà, en 1911. Et quelques semaines après avoir reconnu cette fête de la femme, qu'on la fêtait parfois le dernier dimanche de février. Après, on l'a instauré le 8 mars. Mais dans le temps, certaines femmes la fêtaient, en fait, elles se levaient ces jours-là pour réclamer leurs droits. Alors, en 1911, il y a eu une assemblée à Copenhague où ils se sont réunis et on a décidé d'instaurer cette fête-là. Et quelques semaines après, après avoir fait cette fête-là, il y a eu un incident. Il y a eu un incident à New York. À New York, en fait, il y a eu des femmes. Il y a eu un incendie dans un atelier. Un atelier qui a tué 140 femmes. 140 femmes. Et c'était des femmes italiennes, des réfugiées italiennes et juives. Ce qui a apporté un grand soulèvement. Salut, ma mère Solange. Cela a apporté un grand soulèvement. Donc, et après cela, on a instauré des droits, c'est-à-dire au niveau du travail, c'est-à-dire on a fait une législation au niveau du travail pour pouvoir faire en sorte que cela n'arrive plus. Les femmes se sont indignées et on a fait une législation pour améliorer les conditions de travail de ces femmes-là qui ont été tuées, 140 femmes. Lors de cet incendie, parce qu'elle travaillait dans des conditions vraiment drastiques, inhumaines, et justement, ça a fait en sorte qu'on ait du regard pour eux. Et maintenant, en 1913-1914, lors de la Première Guerre mondiale, il y a aussi eu des femmes qui se sont levées, c'était des femmes russes. Elles se sont levées parce qu'il y a eu 2 millions de morts, c'est-à-dire on a tué 2 millions de soldats, 2 millions de leurs soldats. Elles se sont levées pour dire non à cette guerre-là. Elles se sont levées pour s'indigner. Elles se sont levées le dernier dimanche de février. Et elles se sont levées le dernier dimanche de février pour dire non. Les politiciens avaient interdit cette marche-là, mais elles sont passées outre. Donc, elles ont dit jamais, elles vont s'indigner, elles vont tomber dans les rues pour dire non à cette guerre. Donc, malgré qu'on avait interdit cette manifestation, elles se sont mises dans les rues, elles ont pris du courage pour dire non. Alors, c'est un peu la genèse au fil des temps. Il y a aussi en 1944, c'est où la France permet à la femme de pouvoir voter. Donc, parce que chaque année, les femmes se levaient pour cette fête, elles défendaient leurs droits, elles défendaient l'égalité vis-à-vis de l'homme, elles défendaient, elles pleuraient quand ça n'allait pas, elles voulaient qu'on les écoute. Elle voulait vraiment qu'on les écoute. Donc ça, c'est un peu la genèse de la fête de la femme.
Maintenant, on comprend que ce n'est pas au Cameroun qu'on a, ce n'est pas au Cameroun que la fête de la journée de la femme a pris, a vu la genèse. Ce n'est pas au Cameroun. C'est une fête qui a été instituée dans tout le monde, spécialement à New York, en France, en Europe, où les femmes se levaient pour s'indigner contre des choses qui n'allaient pas, contre en fait, contre la marginalisation de la femme, l'oppression de la femme. Donc, c'est un peu ça qui a fait en sorte que on met la journée internationale de la femme. Et au fil des années, cette fête-là a été mise, après ça a été mise pour qu'on fasse un bilan de l'année de ce que la femme a produit dans la société et qu'est-ce qu'elle produirait encore dans la société dont les femmes se sont organisées pour que cette journée-là soit une journée où on fait le bilan et où une journée où on se prend c'est-à-dire qu'on cherche à faire mieux la prochaine fois, qu'on voit ce qui ne va pas dans la société et nous, les femmes, on arrange. Nous, les femmes, on se bat pour que ça change. Donc, c'est ça qui a amené les femmes à dire qu'on fasse la commémoration de cette journée internationale de la femme. C'est une journée de bilan. C'est une journée de bilan. C'est une journée où on doit s'asseoir pour faire les comptes. C'est une journée où on doit réfléchir pour l'avenir. Et c'est ce que les femmes ont apporté dans la société. Donc, c'est une journée où elles se sont réunies pour faire avancer la société dans le bon sens, pour dire non quand les hommes imposent des choses et ça ne va pas et tout, pour dire non et pour changer les choses. Vous voyez, c'est la femme qui change les choses, c'est la femme qui s'indigne et puis on l'écoute. C'est comme ça, c'est la femme. Donc nous, au Cameroun, ce n'est pas au Cameroun que la journée de la femme a pris origine. Dans le temps, on fêtait la journée de la femme au Cameroun, mais on n'avait pas de tenue. On n'avait pas cette tenue-là, ce pain-là. On s'asseyait autour d'une table, on faisait des débats, on faisait comme dans le monde ça se passait. Mais après, ils sont venus avec ce pain du 8 mars. Ce pain du 8 mars, où les femmes ont compris que non, c'est une journée de fête. En fait, c'est une journée où on va aller au bar. C'est une journée où on va se laisser emporter. C'est une journée où on va faire du n'importe quoi. Non, la fête du 8 mars n'a pas vu le jour au Cameroun. Et ce n'est pas ça l'objectif du 8 mars. Fêter, boire, insulter l'homme, les mariages qui se cassent. Non, ce n'est pas ça l'objectif du 8 mars. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je me suis mise ici devant. Pour essayer de faire en sorte que c'est-à-dire que ce 8 mars qu'on se pose des vraies questions. Alors, je vous passe déjà le thème du 8 mars de cette année. Excusez-moi. Le thème du 8 mars de cette année, c'est penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement. Donc, penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement. Que ce thème-ci, qu'on le place sur la table et on l'utilise à bon escient, c'est-à-dire que dans la bonne direction. Quand on dit penser équitablement, équitablement, ça dérive de égalité. C'était un peu pour dire que les femmes doivent. C'est-à-dire qu'on doit penser comme les hommes. En fait, on doit avoir l'égalité des sexes. Donc, l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme. On doit avoir cette égalité des sexes et l'autonomisation de la femme. C'est-à-dire que la femme doit être indépendante, elle doit être égale à l'homme au niveau de voter, au niveau du salaire, au niveau d'avoir les droits. Mais à la maison, elle doit donner la place à cet homme-là. Ça ne veut pas dire que on va faire le bras de fer. Non. Mais elle doit se battre pour cette équité-là. Elle doit aussi se battre. Quand on dit aussi penser équitablement, ça veut dire que quand notre sœur aussi est dans le besoin, on doit s'indigner parce qu'on doit être, on doit se battre pour l'évolution de la femme en général. Et en plus, on a changé. Ce n'est pas la journée internationale de la femme, c'est la journée internationale des femmes. Des femmes. On a voulu préciser ça cette année pour dire que
Quand on disait de la femme, ça, c'était un peu comme si ça caractérisait certaines femmes de l'Europe et tout et tout. C'était un peu plus caractéristique. Donc, c'était un peu plus pour qui désignait un peu une certaine catégorie de femmes. Mais quand on dit des femmes, ça englobe tout le monde, toutes les femmes, de tous les horizons, de toutes les ethnies, de tout, partout. Donc, ça englobe toute cette femme-là. C'est pour ça qu'on dit Journée internationale des femmes. Ils ont changé ce terme-là. Ce n'est pas de la femme, ce n'est plus de la femme. C'est Journée internationale des femmes, c'est-à-dire des femmes de toutes, handicapées, musulmanes, chrétiennes, toutes les femmes doivent se sentir concernées par cette journée-là. Par cette journée, c'est la femme qui apporte, qui améliore la condition. C'est elle qui accouche, c'est elle qui gère la société. Même dans les ménages, vous allez comprendre, beaucoup d'hommes vous disent que c'est ma femme qui gère le ménage. C'est ma femme, dont la femme a un grand impact dans l'évolution de la société. Elle a un grand impact dans l'évolution de la société. C'est pourquoi il faudrait que nous, les femmes camerounaises en particulier, et la femme africaine en général, qu'on se mette bien dans la tête, on change nos mentalités, qu'on sache que nous avons une force naturelle qui a été donnée de pouvoir faire changer le cours des choses. Ce sont les femmes qui ont apporté, qui ont fait beaucoup de changements, qui ont fait en sorte que beaucoup de choses changent. Mais il faudrait que ce soit dans le bon sens. Parce que quand la femme veut arranger, elle arrange bien. Mais quand elle veut gâter, elle gâte encore jusqu'à ce que c'est grave. Donc, soyons ces femmes-là qui pensent dans le bon sens. Soyons ces femmes-là qui travaillent pour changer la société pour le bien de tous. Voilà. Bâtir intelligemment, donc ça fait toujours partie du thème. Quand on dit bâtir intelligemment, donc vous savez déjà que ça veut dire mettre son intelligence au service de cette société-là pour bâtir une société plus solide, plus équitable, plus vraie. Merci Mundo. Donc bâtir intelligemment, ce n'est pas aller sur salut Yvette, ce n'est pas aller sur Facebook se moquer de Maître Ndoki. Femmes, bâtissons intelligemment, indignons-nous, que même si on ne tire pas sur une femme, même si ce sont comme les gens veulent bien le dire, ce n'était pas des balles réelles, c'était des balles blanches. Même si ce sont des balles blanches, on ne tire pas sur les gens, on ne tire pas sur les femmes, à plus forte raison sur les femmes. Et ces femmes-là, on doit s'indigner, on doit descendre dans les rues. On doit descendre dans les rues. Donc je vous dis déjà, nous, dans la Révolution, on vous invite à vous vêtir de noir, pour être en deuil, en solidarité, pas seulement avec nos sœurs qui sont en train de perdre les fils, qui sont en train de perdre les enfants au nord-ouest, au sud-ouest, dans l'extrême nord avec Boko Haram, les enfants, mais en solidarité, solidarité aussi avec toutes ces femmes-là qui ont perdu des enfants, des maris sur les routes, dans les hôpitaux, qui meurent tous les jours. Pour nos enfants, ce sont les enfants du Cameroun, c'est la jeunesse du Cameroun. On doit se vêtir en noir et en rouge pour le sang versé. Pour le sang versé, parce que la femme camerounaise est en pleurs. La femme camerounaise est en pleurs. On doit se vêtir en noir. On doit se vêtir en rouge. Noir rouge, noir pour être en solidarité, en deuil, et en rouge pour être en solidarité, pour montrer le sang versé que depuis qu'on verse dans notre pays. On doit s'indigner. Les femmes se sont levées de par le monde, elles se sont indignées. Nous aussi, femmes camerounaises, femmes africaines, nous devons nous lever pour nous indigner. C'est la femme qui change le cours. Donc, ça c'était un peu l'historique de la Journée internationale de la femme.
On va aller au deuxième point qui est quel regard la femme camerounaise devrait-elle avoir sur la journée du 8 mars? Ça, c'est le deuxième thème. Comme vous savez, lors des marathons, les marathons de direct, on n'a que 2 heures de temps, donc je n'ai pas souvent, c'est souvent tellement court, donc je vais un peu vite, parce qu'après, il va falloir prendre quelques femmes. En fait, la priorité aux femmes, je vais prendre des personnes, mais la priorité aux femmes qui vont nous dire aussi ce quel regard elles ont de la femme, quel regard la femme camerounaise devrait avoir pour cette journée du 8 mars. Moi, je dis d'abord ce que moi je pense. Après, la ligne sera ouverte à tous ceux qui voudront intervenir, mais la priorité sera donnée aux femmes parce que c'est la journée, on parle comme thème, c'est la journée internationale des femmes. Donc, voilà. Deuxième thème, quel regard? Alors, au vu de tout ce qui se passe dans notre pays, au vu de tout ce qui se passe dans notre pays, qu'est-ce que moi j'ai, qu'est-ce que j'ai comme regard? Déjà, comme j'ai dit avant, je voudrais qu'on se. On, pas que je voudrais, c'est ça. On doit s'habiller en noir. On doit s'habiller en noir. Ne pas porter le pagne du 8 mars. Zéro pagne du 8 mars. Ça ne nous apporte rien. Zéro pagne du 8 mars. Que nous ne soyons plus associés à, même si c'est proche, propre, même si c'est sale, soulevé. Que nous ne soyons plus associés à ça. Ça ne doit pas être notre carte. Et si vous avez des images qui défilent des femmes, des filles qui boivent, qui fêtent, qui dépravation des mœurs. Que ça ne soit plus ça au Cameroun. Que ça ne soit plus ça. Alors, pour moi, on doit s'habiller en noir. Déjà, par solidarité pour nos sœurs pour nos sœurs et mamans du nord-ouest et sud-ouest. Et descendre dans les rues, demander que cette guerre fratricide s'arrête. On doit se lever et demander que cette guerre-là s'arrête. Je vous ai dit, ce sont les femmes en Russie qui se sont levées parce qu'elles ont eu la perte de 2 millions, 2 millions de soldats qui sont tombés. Elles se sont levées pour dire non, arrêtez cette guerre. Arrêtez cette guerre. Et on les a écoutées quand même, malgré la répression. Donc laissez le pagne, même si on vous donne, utilisez-le comme un torchon. Ne le prenez même pas. Est-ce que vous êtes même obligé de le prendre? Vous êtes obligé de le prendre. C'est le pagne du malheur, c'est le pagne de la malchance. Depuis qu'on porte là, vous avez vu les femmes, la condition de la femme, on en est où? On en est où au Cameroun? Et en plus, c'est une arnaque, comme dit Wande. C'est une arnaque. Pendant que les femmes du ministre, on leur donne ça gratuit. Les femmes de ceci, on leur donne ça gratuit. Notre. Ouais, soi-disant première dame, elle ne change pas de. Je ne sais même pas si elle porte même souvent le pain là. C'est-à-dire que même si elle porte pour elle, c'est gratuit, c'est elle qui produit, elle a un pourcentage sur ça. Vous, les femmes du bas peuple, vous, nos sœurs du bas peuple là, vous avez quel argent pour payer le pain? Vous avez quel argent pour aller chez les couturières déjà pour ce pain là? Et déjà, ça vous perd des énergies. Quand vous êtes en train de chercher quel modèle je vais faire, tout, je vais courir ici, de là et là, ça vous perd des énergies. Pourtant, vous pouviez vous asseoir, faire des débats, voir comment faire que nos conditions changent, comment faire pour qu'on nous construise des routes, comment faire pour qu'on nous construise des hôpitaux, comment faire pour que la femme, les jeunes filles puissent travailler, avoir des postes de travail, que quand elles vont chercher le travail, on ne leur demande plus d'être les femmes du patron, qu'on ne leur demande plus de sortir avec ces grands messieurs-là. Qu'elle puisse avoir du travail. Comment faire pour que la guerre s'arrête, qu'on ne tue plus nos frères? Comment faire pour qu'il n'y ait plus cette injustice au Cameroun? Donc voilà tant de choses. Tant de choses. Je vais m'adresser aux femmes, aux mamans, à nos mamans, à nos sœurs du Nord-Ouest. Dans ce direct. Maman, sœur, avec tout ce que vous vivez, moi, ce jour-là, le 9 ici à Ferrara,
Nous avons une grande marche. Moi, je serai en noir-rouge, en solidarité avec vous. Je serai en noir-rouge. Je serai en noir-rouge parce que ce que vous vivez, je ne saurais l'expliquer. J'imagine seulement, je vois des images. Vous êtes dans des forêts. Comment vous faites pour vivre? Vous n'avez que le bois comme tabouret, des tronçons d'arbres. Vous utilisez ça comme des tabourets. Vous prenez des herbes pour faire vos serviettes hygiéniques. Comment vous vivez? Comment vous faites? Comment vous faites? Comment vous faites? Que du jour au lendemain, vous vous êtes levé. Du jour au lendemain, vous n'avez pas demandé une guerre. Mais du jour au lendemain, vous avez abandonné. Vous avez abandonné votre cuisine. Vous avez abandonné votre maison. Vous avez abandonné votre vie quotidienne pour vous retrouver dans la forêt. Pour vous retrouver dans la forêt. Ou pour vous retrouver en exil au Nigeria pour ceux qui y sont. Ou pour vous retrouver à demander de l'aide. Vous n'étiez plus habitué à ça. C'est vrai, nous sommes là, je ne peux pas avoir, en fait, je n'aurai pas le même sentiment que vous, c'est-à-dire, c'est à vous de décrire ce sentiment-là. Je sais, je ne peux pas décrire cela, je peux, parce que c'est chacun qui vit cette condition. C'est vous qui savez ce que vous vivez dans votre chair, mais je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. C'est vous qui savez ce que vous vivez dans votre chair. Salut Christian, c'est vous. Mais je veux vous dire, nous allons nous battre. Nous allons nous battre avec toutes nos forces pour que ce régime tombe. Pour que ce régime tombe, nous allons nous battre jusqu'à la dernière énergie. Et quand ça sera fini, vous seriez des héros, des héroïnes, chère maman. Vous nous raconterez. Ça ne sera pas facile pour vous. Ça ne sera pas facile, je sais, pour être réinséré dans cette société. Ça ne sera pas facile. Mais il faudra qu'on travaille sur ça pour que vous ayez des psychologues. Pour que vous ayez des psychologues. Ça ne sera pas facile. Mais on va travailler sur ça. Je ne sais pas, je sais que vous ne réussissez même pas à m'écouter parce que je ne sais pas si vous avez même des téléphones où vous êtes. Je ne sais pas comment vous vivez. Je ne sais pas comment les enfants s'en sortent. Je ne sais pas comment vous accouchez, vous arrivez à vivre, à survivre dans ces conditions. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je peine même à imaginer comment vous arrivez à vivre. Comment vous arrivez tous les jours à surmonter, tous les jours à... Comment vous arrivez à vivre, chère maman? Tout ça à cause d'un régime égoïste. Égoïste. Des personnes égoïstes. Et cela partout. Ouais. Merci d'organiser des aides de partout, des levées de fonds pour cette femme, pour ces femmes-là, pour les soutenir. Nous aussi, pendant cette journée-là, on va faire des levées de fonds pendant la marche pour les soutenir. Il faudrait qu'on pense à ces femmes-là, qu'on pense à ces mamans-là qui pleurent tous les jours, qui fuient, qui n'ont rien demandé. Elles n'ont pas demandé la guerre. Elles étaient assises chez elles. Quand on regarde bien, ce sont même des femmes dans des villages, dans les villages. Elles ne savent même pas ce qui se passe. Elles entendent ces mains, poum, 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 poum. Elles ne savent pas. Il faut fuir. Soyez en solidarité avec ces femmes-là. Le 8 mars, c'est pour elles. C'est-à-dire, on doit penser aussi à elles. Pendant ce temps, justement, la première dame organise des grandes fêtes, des grands gâteaux et danse. Mais ceux qui veulent même défendre ce régime la défendent sur la base de quoi?
Quand est-ce que cette femme-là s'est levée pour dire que aller soutenir ces mamans, ces femmes camerounaises qui sont dans les brousses? Quand est-ce qu'elle a fait un message pour dire qu'elle s'est indignée? Tout ce qu'elle a eu à faire dans son Twitter, c'est dire que tout ce qu'on raconte, c'est le Congo, ça. C'est-à-dire que les choses du bas quartier. Elle ne pouvait pas écrire sur son Twitter, dire que elle a. Quelque chose en solidarité envers ces mamans-là. Elle se bat pour que son pain soit vendu. C'est tout, c'est tout. Elle, qu'elle vive sa vie. Mais bon, je ne vais pas parler d'elle parce que, de toutes les manières. Mais je dis que le gouvernement a fait quoi pour ces femmes-là? Le gouvernement a fait quoi pour ces femmes-là? Et ils ont fait quoi? Moi, je n'ai vu aucune action, hein. Je n'ai vu aucune action. C'est le professeur Maurice Kamto qui s'est levé pour demander les levées de fonds pendant les fêtes. Maintenant, il est en prison. Je suis sûre qu'il aurait demandé les levées de fonds pour ce temps-ci, ce 8 mars encore. Mais bon, on va continuer l'action. Continuons. Nous, mettons-nous ensemble. N'oublions pas ces femmes-là. Ne les oublions pas. Ce qu'elles vivent, c'est inimaginable. Inimaginable. Je ne souhaite pas cela même à mon pire ennemi. Fuis. Laissez le chez-soi. Fuis sa vie, sa routine de vie. À cause d'une guerre qu'elles n'ont pas, elles n'ont pas demandé. Qu'elles n'ont pas demandé à vivre. Bon, ça c'est un coup de gueule pour ces mamans du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a aussi cette femme-là du nord. Il y a cette femme-là du nord. Nos sœurs, nos mamans du nord. Levons-nous pour elles. On les a réduites. Elles ne vont pas à l'école. Travaux. On les a réduites à l'esclavage. On les a réduits. Il n'y a pas assez d'éducation là, il n'y a pas assez d'école. Regardez le nord, regardez l'extrême nord, le désert, regardez tous, regardez les écoles là-bas. Nous devons nous lever pour ça. Nous devons nous lever parce que ces mamans-là, elles ont perdu des fils, des filles contre Boko Haram. Elle meurt aussi parce qu'il y a le choléra, c'est-à-dire là, il y a encore le choléra dans cette zone-là. Vous savez qu'on meurt encore du choléra au Cameroun? Vous le savez? Au 21e siècle. Au 21e siècle. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien. C'est une zone isolée, désolante. Nous devons nous indigner. On a tellement de choses pour lesquelles on doit s'indigner. On doit aller dans les rues, demander qu'on nous écoute. Que ce ne soit pas seulement le 8 mars, mais que ce soit un début de soulèvement de la femme camerounaise. De la femme camerounaise. Maintenant, je vais m'adresser à cette femme, à ces femmes-là des militaires. Je ne parle pas de ceux de la milice de Paul Biya, parce que eux au moins ils ont choisi faire ce pourquoi ils ont été comment dire recrutés. Ils ont choisi servir le roi fainéant au lieu de servir la nation. Je parle de ces militaires-là. Je parle de ces militaires-là qu'on va recruter, qui pensent servir la nation, mais on les envoie comme ce sont eux qui sont mis en avant comme canon de chair.
Ils vont même souvent, ils ne savent même pas ce qu'ils font en fait. Ils se disent qu'ils défendent la nation. Et on va les prendre dans le tas. On va les prendre dans le tas. C'est des femmes de ces gens-là que c'est à eux que je veux m'adresser. Aux femmes de ces militaires-là. Qui disent dans leur chair qu'ils défendent la nation. Qui pensent défendre la nation. Je m'adresse aux femmes de ces militaires-là. Je vais dire la vraie armée, l'armée du peuple. Chères femmes, c'est à vous aussi de parler à vos maris. C'est à vous de parler à vos maris. Vous devez vous indigner. Vous devez vous indigner. Comment on envoie vos maris combattre les autres frères? Le savez-vous que quand ils tombent là-bas, dans le champ de bataille, l'État les abandonne. L'État les oublie. L'État les oublie. Ici en Europe, tout militaire qui tombe, le gouvernement prend en charge sa famille, ses enfants. Ils ont de l'argent tous les mois pour pouvoir vivre. Vous avez quoi? Vous avez quoi? Même seulement pour faire un funérail honorable, digne d'un soldat. Impossible pour vous. Impossible pour vos maris. Leur corps traîne là-bas dans les morgues, à terre, de partout, pour rien. Pour rien. Tous les jours, les débats, on leur demande de s'asseoir sur une table de débat et trouver un compromis. Salut Emmanuel. Tous les jours, on leur demande. Je vais ouvrir la ligne et envoyer les demandes. Envoyer les demandes. Bientôt, je prends les gens. Envoyer les demandes. Tous les jours, vous mourrez sur le champ de bataille. Tous les jours. Pourquoi? Pourquoi? Dites-moi. Pourquoi? Et vous ne vous indignez pas que l'État ne s'occupe même pas de vous. Vous êtes délaissé quand le mari est mort, votre vie est finie. Les enfants sont perdus. Ce sont des futurs bandits. Pendant qu'il y a une minorité de personnes qui font des détournements tous les jours, qui mangent de l'argent, qui vivent. C'est-à-dire, quand tu suis les sommes seulement qu'on dépense au Cameroun, quand tu suis les sommes d'argent qui sortent du Cameroun, tu dis, hein? On veut seulement parler de ces sommes-là ou bien ce sont vraiment les sommes-là qui existent. Si c'est vraiment si cette somme-là même, on l'a sortie. Détournement des milliards, les milliards comme ça et tout et tout. Et vous ne vous indignez pas. Quand quelqu'un veut parler, on l'enferme. On l'emprisonne. Indignons-nous pour des choses justes, vraies. Vraies. Je vous jure, quand une personne, c'est-à-dire quand un soldat tombe en Europe sur le champ de bataille, sa famille est prise en charge par l'État. Sa famille est prise en charge par l'État. On parle de lui comme un héros national. Il a des funérailles de taille. Au Cameroun, on ne sait même pas parfois que vous êtes même bien mort. On ne sait même pas. Pourtant, le gouvernement sait que vous n'êtes plus. Vous êtes mort. Mais vos familles parfois ne savent même pas. Vous, cette femme, les femmes de ces militaires-là, sortons dans les rues, nous indigner. Arrêtons de nous perdre
dans des distractions qui ne nous avancent à rien, qui ne font pas évoluer le pays. Arrêtons. Arrêtons. Arrêtons de nous perdre dans ces distractions-là. Quand on va dire Congo, ça ici, tu vas voir les gens courir. Quand on va dire ceci, tu vas voir les gens courir. Mais quand est-ce qu'on s'est assis pour débattre pour l'avancement de notre pays? Quand? Je pleure. Je pleure. J'ai tellement de sœurs, j'ai tellement de cousines, j'ai tellement d'amis qui sont dans les maisons des mamans. C'est-à-dire que c'est la maman qui lui donne à manger encore. Parce qu'il n'y a pas le travail. On te dit, si tu ne passes pas à tabac, si tu ne suis pas les règles, tu n'auras pas le poste de travail. Si tu ne fais pas comme nous, tu n'auras pas le poste de travail. Il faut entrer dans le cercle vicieux. Au moins ici en Europe, je vous dis une chose. Ici en Europe, les lois sont là et on les respecte. Et on donne le choix à chacun de choisir son chemin. On donne le choix à chacun. On n'impose rien à personne. On donne le choix à chacun de choisir ce qu'il veut être, dans quel cercle il veut continuer. On donne le choix à chacun. On n'impose rien à personne. Si vous allez demander le travail et que le patron vous demande, vous avez seulement une petite preuve comme ça. Ce monsieur-là sera enfermé. Ou il va faire la une des journaux. Parce que ce ne sont pas des choses que on parle. Ce ne sont pas des choses qui se font. La loi est claire. Et nous, Africains, on connaît juste bavarder, parler, crier. C'est-à-dire, chacun connaît, surtout le Camerounais, il connaît beaucoup. Il connaît toujours plus que l'autre. On connaît toujours plus que l'autre. Quand est-ce qu'on s'est indigné? Quand est-ce qu'on s'est mis ensemble? Vous dites non. Je vous dis toujours, cette révolution-ci, que ça nous fasse aussi grandir, que ça nous fasse changer nos mentalités. Comme j'ai dit la dernière fois, changeons nos mentalités. Mettons de côté notre égoïsme, construisons à long terme. Ne cherchons pas seulement ce qu'on va manger aujourd'hui. Cherchons ce que les générations futures, nos enfants, trouvent une vie meilleure que la nôtre. Nous, nous sommes une génération sacrifiée et autant la sacrifier dans la résistance. Autant la sacrifier dans la résistance. La sacrifier, ça ne veut pas dire on va utiliser le thème qu'on dit, on va faire comment. Franchement, ce thème-là m'énerve. Ça m'énerve. On va faire comment? On va faire comment? Mais tu as des moyens de faire. Tu as les moyens de parler autour de toi de ce qui se passe dans ton Cameroun, qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas il n'y a pas les infrastructures, il n'y a pas de santé. Et il y a une guerre, il y a un gouvernement qui ne fonctionne pas depuis 37 ans. Tu as ces moyens de parler autour de toi. Tu as cette force. Je vous ai dit, moi, nous tous qui nous mettons devant, on fait des lives, on essaye de... Non, nous ne sommes pas des héros, non. C'est juste qu'on veut s'indigner, on dit non, on veut que le Cameroun change. C'est pourquoi ma soeur, mon frère, je vous dis de faire pareil. Dans les réunions, dans les familles, changer, parler, discuter. Dites que ça ne va pas. Apportez des arguments.
amener les gens à changer leur vision des choses. Parce que je vous ai dit, nous sommes des victimes. Nous sommes des victimes de cette malgouvernance depuis 37 ans. Nous sommes des victimes. Mais ne restons plus là dans le camp de la victime. Réagissons. Réagissons. Parce que si on ne réagit pas, nos enfants reviendront trouver cela. Nos enfants reviendront trouver cela. Et ça sera encore pire. Parce que nos parents, c'était là, oui, mais c'était quand même le bon. Après, c'était comme ça. Après, nous-mêmes, si nos enfants reviennent trouver, ça sera le pire de pire. 8 mars, toutes les femmes en noir, noir-rouge, si possible, sortez vous indigner en masse, marchez dans les rues. Nous, ici à Ferrara, ce sera le 9 mars, un samedi. Les femmes seront en noir-rouge, accompagnées de nos soldats, accompagnées des combattants, accompagnées des hommes, pour nous indigner. Ils ont dit qu'on devait se fatiguer de marcher, non? On ne se fatigue pas. On va marcher et ils vont nous écouter. Ils vont nous écouter. Faites pareil autour de vous. Salut Karine. Faites pareil autour de vous. Nous tous, nous sommes des Amazones. Chacun dans son domaine, chacun dans son espace. Si chacun de nous fait le travail, on arrivera. Vous voyez, c'est comme une pierre. Ce gouvernement, c'est comme une pierre. On cogne, ça fait des fissures, des fissures, des fissures. Un jour, on va appliquer le coup fatal. Ça va exploser, bang. Mais il faudrait que tout le monde s'y mette. On a besoin de tout le monde. Et la révolution se fera avec tous ses fils. Le Cameroun changera avec tous ses fils. Tous ses fils. Donc, mes chères sœurs, apprenons à nous indigner. Apprenons à nous indigner. Je vois des commentaires de cette quand on a arrêté Maître Ndoki, et ce sont des femmes qui parlent, elles insultent, elles insultent, elles avancent des propos vraiment dégradants. Mais je dis, où va la jeunesse? Où va le Cameroun? Où va le Cameroun? Je me demande bien où va le Cameroun. Où va le Cameroun? Quand on a fini, après on part dans les bars. Après on part dans les bars. Après on part dans les églises réveillées. Cameroun au Bosso. On part dans les bars, on boit, on boit, on boit, on boit, on boit. On part dans les églises réveillées. On s'en fout. Entre-temps, les gens qui sont en haut ne font que manger. Manger. Salut ma Sabrina. Salut Sabrina. Entre-temps, ceux qui sont en haut là ne font que manger, détourner l'argent. Manger, manger, détourner l'argent. Détourner l'argent. Vous insulter, vous naguer. Vous naguer. Vous prendre, vous mettre en prison. Quand ça ne va pas, quand vous essayez un peu de lever la tête, on vous prend, on vous met en prison. On crée une histoire sur vous, on vous met en prison. On vous met en prison. Je vous jure que l'injustice là arrivera à tout le monde, même ceux qui se moquent de ceux qui sont arrêtés. Un jour, l'injustice là vous frappera. Merci. Un jour, cette injustice là vous frappera. Et vous allez vous retrouver à la route, en train de pleurer. En train de pleurer pour rien. On vous demande voici le temps, voici le moment qu'on soit ensemble, qu'on apprenne à s'indigner, qu'on soit ensemble, qu'on apprenne à s'indigner,
La femme camerounaise vaut plus que la boisson, vaut plus que le pain. Elle a fréquenté. Elle est intellectuelle, elle est intelligente. Elle est belle. Mettons ça au profit de la société. Mettons ça au profit de la société. Salut, Francis Yata. Merci. Mettons ça au profit de la société. Ne restons pas dans nos coins, on s'occupe de nos familles. Si nos familles sont à l'aise, on reste tranquille. Qu'est-ce que tu penses que ton enfant qui est dans cette maison-là, comment il sera demain quand toi tu ne seras plus? Le blanc, lui, voit loin. Le blanc voit loin. Le blanc arrange sa société, c'est-à-dire qu'il pense pour des générations futures, des générations même après, 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 après. Pas seulement ses enfants. Pourquoi nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire comme ça, pareil? Pourquoi nous ne pouvons pas faire pareil? Pourquoi nous n'apprenons pas à faire pareil? À nous indigner. Déjà, zéro pagne du 8 mars. Qu'on le mette bien dans la tête. Informez maman, informez soeur, informez tous chez vous. Informez-les que ce jour-là, c'est le noir. Qu'on voit dans toute la ville. Dans tout le Cameroun, dans toutes les villes du Cameroun, les femmes en noir rouge. En noir rouge. Vous n'êtes même pas obligé, vous n'êtes pas obligé même d'aller marcher. Mais sortez ce jour-là, noir rouge. Ne partez même pas marcher, mais sortez en noir rouge, zéro pagne du 8 mars. Qu'on voit cet impact-là. Qu'on voit que oui, on vous a empêché à. Faites que le message circule. Circule, que ça circule dans les WhatsApp, dans les familles, dans les réunions, que ça circule partout, 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 partout. Partout. Faites que ça circule pour que la femme, ce jour du 8 mars, soit en noir rouge. Si vous allez au travail, mettez-vous en noir rouge. Si vous allez au marché, habillez-vous en noir rouge. Si vous allez n'importe où, noir rouge. En solidarité avec tout ce qui se passe au Cameroun. Moi, j'aurais même mis le thème comme thème du 8 mars, que la femme camerounaise en pleure. Mais bon, c'est un thème qu'ils font souvent pour tout le monde, dans tous les pays. Mais nous, au Cameroun, nous sommes en pleurs. Nous sommes en pleurs. Nos fils, nos filles meurent. Nos mamans meurent. Habillons-nous en noir rouge. Noir rouge. On ne veut pas voir le pagne de la malchance. Le pagne de, même si c'est propre, même si c'est sale, soulevé là. Vous avez tellement de cabas dans vos, dans, vous avez tellement de cabas dans vos valises. Au Cameroun maintenant, quand tu as le deuil, tous les jours qu'il y a deuil, on achète les pagnes. Tous les jours qu'il y a ceci, on achète les pagnes. Vous avez les pagnes des réunions. Non, ce n'est pas le pagne qui vous manque. Ce n'est pas le pagne qui vous manque. Vous n'avez pas besoin de ce pain-là. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça au Cameroun maintenant. On n'a pas besoin de distraction. La femme doit sortir. Je vous ai dit, en 1900, c'était 1914, les femmes russes sont sorties dans la rue pour s'indigner parce que 2 millions de Russes, soldats russes étaient morts. Elles sont sorties, elles ont bravé parce que les politiciens avaient interdit. Mais elles ont sorti pour dire non à cette guerre, pour dire qu'on arrête la guerre. Nous aussi, femmes camerounaises, nous pouvons sortir et dire non. Et dit non.
Les hommes n'achetaient aucun pain. Ça vous fait épargner. Pour ceux qui ont de l'argent, envoyez cet argent aux femmes du nord-ouest, du sud-ouest, qui sont dans les forêts, à ces mamans-là, à ces filles-là, qui sont dans les forêts et n'ont pas demandé cette guerre-là. Elles étaient chez elles, elles visionnaient, elles avaient leur programme, mais après elles ont entendu, il fallait fuir. Il fallait fuir sans crier garde. Envoyez les demandes, je vais vous prendre. J'ai dit priorité aux femmes. C'est la femme. La femme doit s'exprimer. Les femmes doivent parler. Les femmes prenaient la parole. Les femmes prenaient la parole. Indignez-vous, encouragez vos sœurs du pays à sortir. Encouragez vos sœurs. Voilà, il y a quelqu'un qui demande la parole, Jean Ateba. Vu que je n'ai pas encore de père, je vais prendre Jean Ateba. On va l'écouter. Ça me dit aucune réponse de l'invité, Jean Ateba. Ça me dit aucune réponse. Les femmes m'envoient les demandes pour que je vous prenne. Aucune réponse. Attends. Ça me dit aucune réponse. Bon, je vais éliminer la demande. Il faut refaire la demande. Refais la demande, Jean Ateba. Je te prends. Refais la demande. Non à la corruption, comme dit Silver. Non à la violence aux femmes. Les femmes sont violées tous les jours. Les femmes sont violées. On a nos soeurs qui sont au Kosovo, les femmes qui pleuraient, les filles qui ont quitté leur terre, le Cameroun, parce que le Cameroun n'avait rien à les offrir. Pour aller souffrir en terre des îles, au Kosovo, c'est encore quel pays. Elles souffrent, elles ont quitté leur terre. Tous les jours, des mamans perdent des enfants. Ouais, les bas sont en train de faire à jour. Allô, bon après-midi. Bon Bon après-midi, après-midi, Jean. Jean. Ça me fait vraiment plaisir de suivre une femme parler comme ça et je suis sincèrement touché. En fait, Merci. je voudrais au Cameroun et j'imagine que la situation On ne t'écoute pas. On ne t'écoute pas. On t'écoute pas très On ne t'écoute pas très bien. bien. Je sais pas si... Et là maintenant, monsieur. Oui, mais il faut il faut arrêter, arrêter il faut il faut le volume, baisser le peut-être volume, tu sais pas peut-être arrêter, pas tu as deux. Je n'ai absolument tu as deux téléphones. Non, non, je n'ai absolument rien qui est allumé à ce moment. Je ne sais pas. Ah, ok, d'accord, on t'écoute. Ok, en fait, ce que je voudrais dire déjà, c'est que madame, vous avez en face de vous quelqu'un qui n'accepte pas la communication, quelqu'un qui ne voudrait pas essayer de comprendre, essayer de d'écouter les gens. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est prêt, qui voit la vie autre que la sienne comme une forme de je sais pas, d'attaque ou de terrorisme ou bien quelque chose de négatif en tout cas. Et la réaction n'est pas verbale, mais la réaction est physique. Si une femme, si vous, maintenant aujourd'hui, les femmes décident de marcher dans la rue en noir avec des pancartes qui est autre que des pancartes que ce monsieur aurait souhaité, je doute très fort que la réaction serait physique comme des arrestations, des tirs de balles et consorts. Et vous savez, des gens, ils ont peur de cela. Vous n'avez pas face à vous quelqu'un qui est prêt à écouter quoi que ce soit. Et je parle même des médias, parce que la CIA TV ne vous écoute pas. Personne, c'est-à-dire, ils font tout pour que le message ne passe pas. Et vous avez dit tout à l'heure que vous aimeriez bien que l'argent que les gens auraient utilisé pour payer des pagnes, on puisse les envoyer à la population.
Sud-Ouest. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a avec les gens de ce côté du Cameroun? C'est-à-dire qu'il n'y a pas envoyé là-bas ou bien. Vous n'avez pas une bonne connexion, hein? Vous n'avez pas une bonne connexion. On vous a pas écouté. Ok, je disais tantôt que... Est-ce que je suis au courant? Oui. Est-ce que vous êtes au courant qu'il n'y a pas de communication, c'est-à-dire qu'il y a une rupture de communication entre les Camerounais de reste des 8 autres provinces que ceux du nord du Nosso? Parce que maintenant, vous ne pouvez plus facilement envoyer de l'argent là-bas. Ce n'est plus vraiment possible. Ces gens, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Il n'y aura plus de possibilité de recevoir de l'argent. Et maintenant, quand une voiture, un véhicule veut quitter d'une province pour entrer là-bas, il y a franchement une fouille énorme. Et toute autre somme d'argent qui est au-dessus de 50 000 serait automatiquement confisquée. Et vous ne devrez pas avoir plus de provisions que possible. C'est-à-dire, ils sont en train de délaisser ces gens à eux-mêmes. Ce n'est vraiment pas facile. C'est douloureux. Moi, je parle en tant que victime. J'ai vu ça de mes propres yeux parce que moi, j'ai fréquenté là-bas et je suis arrivé. Ouais. On a tiré sur quelqu'un simplement parce que la personne ne s'exprimait pas en français. Et c'est ce qui m'a sauvé. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est ce qui a pu me sauver. Ça a vraiment pu me sauver là-bas. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me retrouve en Europe grâce à Dieu aujourd'hui parce que je n'arrive même pas. Souvent, je suis traumatisé. Souvent, je n'arrive même pas à dormir parce que vous n'avez pas en face de vous quelqu'un de facile. C'est-à-dire, dire aujourd'hui, c'est facile, sans bien sûr vous manquer de respect, c'est facile aujourd'hui de vous asseoir et de dire que bon, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais ce n'est pas forcément pratique. Ce n'est pas aussi pratique. Ce n'est pas comme où vous êtes, par exemple. J'imagine que vous pouvez vous décider de marcher comme un mouvement que vous défendez fièrement. Ce n'est pas possible. Au Cameroun, aujourd'hui, la situation est très grave. Et moi, je n'aurais jamais souhaité un jour que la communauté internationale s'occupe de nos propres problèmes. Mais pour moi, je ne vois pas d'autre solution. Vous n'avez pas en face de vous quelqu'un qui écoute sa population. C'est pas quelqu'un qui est un jour descendu dans la rue et s'est assis avec des jeunes et a essayé de savoir qu'est-ce qui vous avez comme problème. En plus de 50 ans, pour voir, il ne s'est jamais assis avec des jeunes. Et à chaque fois qu'on a révolté, même la simple révolte du prix, de l'augmentation du prix, la réaction n'a pas été simple. La réaction a été physique. Ce n'est pas monsieur qui a appris à communiquer avec la population. Dès sa prise au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, n'a pas appris. Et ce qui fait en sorte qu'il y ait une guerre au Nosso, c'est simplement parce que ces gens se sont sentis à un point où ils sont vraiment contre le mur et ils ne peuvent plus vraiment accepter ça. Parce qu'il y en a des simples jeunes que vous voyez là, ce sont des jeunes qui ont simplement pris au courage d'utiliser les armes qu'ils utilisaient pour chasser aujourd'hui contre l'armée. Mm-hmm. Et moi, c'est tout ce que je sais de dire. Je voulais juste amener cette petite contribution-là. Si franchement, vous avez autre moyen, autre chose à proposer qu'une simple protestation, parce que la protestation, il est légal dans les papiers, mais il n'est pas légal sur le terrain. Il est interdit. Vous êtes vu comme un... En fait, ils vont utiliser des mots comme, je ne sais pas, terroriste, séparatiste... Vous allez utiliser tout le mot partisan du MRC, parce que si vous n'êtes pas de ce côté, vous êtes forcément du MRC. On va vous prêter des partis politiques dont peut-être vous n'êtes pas, même pas intéressé, quoi que ce soit. On va vous prêter de tous les noms pour essayer de voir en vous le méchant. C'est vous qui voulez le bien du Cameroun, vous êtes déclaré comme le méchant. Alors vous devez accepter cette dictature-là. Mais bon, je ne vais pas entrer dans d'autres, parce que j'ai tellement à dire, je ne vais pas entrer dans d'autres sujets. Je vais juste rester sur ce sujet du 8 mars, la journée internationale de la femme. Et je vous remercie beaucoup. Ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir amener cette petite participation. Merci. Mais je voulais vous poser la question. En fait, je voulais déjà vous rassurer et rassurer tous ceux qui nous écoutent que si ce régime-là est déjà fragilisé, en fait, ils ont bloqué les gens du nord-ouest, du sud-ouest, parce que c'est un peu... Là-bas, il n'y a pas les médias, il n'y a pas les institutions. Mais je vous rassure que si les gens marchent à Yaoundé, ils ne tireront sur personne. Vous avez vu, jusqu'à présent, on n'a tiré sur personne à Yaoundé. Parce qu'ils savent que les yeux du monde sont sur Yaoundé. C'est pourquoi ils font en sorte que tout,
tout rassemblement échoue à Yaoundé. C'est pourquoi lors samedi dernier, lorsqu'il y avait les inscriptions du MRC, ils ont apporté des camions anti-émeutes, ils mettent des anti-gants dans les, en fait, dans les quartiers pour apporter cette psychose-là, c'est-à-dire que cette peur pour montrer, pour dire aux gens qu'ils ne doivent pas sortir, c'est-à-dire pour intimider les gens. C'est pour ça. Mais sachez qu'à Yaoundé, si les gens sortent en masse, ils se mettent même seulement à la poste centrale, on va chasser ce gouvernement. De toutes les manières, ça va se faire. Désolé, j'ai juste une simple petite question. Ma question est, si ils se mettent à tirer sur quelqu'un et tuent quelqu'un, qu'est-ce qui se passera selon vous, selon votre thèse, selon votre thèse? Qu'est-ce qui se passe en Europe? Qu'est-ce qui se passera si ils se mettaient à tirer sur des gens et il y avait des morts? Qu'est-ce qui se passera si cette possibilité arrivait? Qu'est-ce qui se passera? Et on est bien sûr. Justement, s'ils tirent sur les gens et qu'il y a des morts, c'est là où la communauté internationale va intervenir. Ils ne peuvent même pas seulement... On n'attend pas qu'il y ait des morts pour qu'ils interviennent. Mais je vous dis, les yeux du monde sont sur le Cameroun. Ce n'est pas qu'on attend qu'il y ait des morts pour qu'on intervienne, mais c'est parce qu'on ne voit pas les populations s'indigner, tu vois un peu. Et l'information qui arrive à l'extérieur... on ne la voit pas. En fait, ce n'est pas visible parce qu'ils cachent tout. Ce sont eux qui ont les médias et les médias sont contrôlés. C'est pour ça qu'ils font ça. Mais je vous assure que sur Yaoundé, où il y a des institutions, parce que là-bas, il y a des institutions internationales qui sont sur place. Il y a le siège, il y a des gens là-bas. Donc, du coup, c'est pourquoi là-bas, c'est le centre. C'est-à-dire que c'est où les gens doivent marcher. Si les gens se mettent à marcher, ils ne tireront pas sur les gens à Yaoundé. Ils peuvent le faire, ils peuvent bloquer cette histoire-là au nord-ouest, au sud-ouest. C'est pour ça qu'ils ont fait au nord-ouest, au sud-ouest, parce que déjà, ils avaient manipulé l'information. Moi, par exemple, comme je le dis, je n'étais pas au courant de cette guerre. J'avais juste compris que ce sont des sécessionnistes qui veulent la séparation. Et je me suis dit, mais pourquoi ils veulent la séparation? Et je n'ai pas voulu m'informer, tu vois un peu, parce qu'ils avaient bloqué l'information, en fait. Oui, l'information qui nous revenait n'était pas juste. Maintenant, c'est avec le temps et puis le hold-up électoral, on a appris à s'informer, on a appris à aller à la source même, on a appris à écouter ceux qui revendiquaient. C'est où on a compris où ça se trouve, tu vois un peu, où est beaucoup de c'est-à-dire de personnes. Ils ont coupé, le monsieur est parti. Voilà, j'étais en train de vous dire déjà, ils ne tireront pas sur les gens. Ils ne tireront pas sur les gens à Yaoundé. Ils ne tireront pas. Même à Douala, ils ont un peu caché la chose pour manipuler les consciences. Dire que balle blanche, balle ceci et tout, personne n'est mort. Personne n'est mort. Mais personne ne va tomber. Personne ne va tomber. Envoyez les demandes. Je n'ai pas de demande pour des gens qui veulent intervenir. Aujourd'hui, vous voulez juste m'écouter. Vous ne voulez pas intervenir. Donc, envoyez les demandes pour ceux qui veulent intervenir. Comme j'ai parlé déjà depuis le début de la fête du 8, en fait de l'origine du 8 mars, Et j'ai dit, selon mon point de vue, quel regard la femme camerounaise devrait-elle porter sur la journée du 8 mars? Donc, à vous de me donner vos points de vue sur ce sujet-là. Quel regard la femme camerounaise devrait-elle porter sur la journée du 8 mars? Moi, comme je vous ai déjà dit, sur la journée du 8 mars, la femme camerounaise doit être en deuil. La femme camerounaise doit être en deuil. Pour revendiquer les meilleures conditions de vie, pour revendiquer la guerre qui doit cesser, que cette guerre cesse, pour demander qu'on puisse écouter les femmes, pour demander que les enfants cessent de mourir sur les routes, cessent de mourir dans les hôpitaux, cessent de mourir dans les hôpitaux. Cesse de mourir
pour rien, pour demander le travail pour nos enfants, pour nos filles, pour nos frères, pour nos fils. L'égalité pour tous, justice pour tous, l'eau potable, l'électricité, tellement de c'est-à-dire des besoins élémentaires. Pélagie, je suis en train de te... Pélagie, je te prends. On demande des besoins élémentaires. Commençons déjà par là. Commençons déjà par là. Commençons déjà par là. Mais pour cela, il faudrait que nous soyons un groupe, que nous le fassions en masse. Que nous le fassions en masse. Salut Pélagie. Oh. J'ai réussi à prendre personne là. Envoyez les cœurs, ils sont en train de signaler le direct. Envoyez les cœurs et les demandes, ils sont en train de signaler le direct. Donc, envoyez les cœurs pour qu'ils ne bloquent pas le direct. Parce que je... Bon, les femmes ne veulent pas prendre la parole, pas, il n'y a pas les... Ah, ok, salut. Hello. Salut, Amazon. Hello. Bonjour, la combattante. Bonjour, merci. Je suis la combattante José depuis le Canada, la PDG. Wow. Salut, José. Je pense que mon accoutrement dit un peu tout. Ouais. Ouais. Envoyez les cœurs au maximum, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs à José. Envoyez les cœurs, partagez le direct. La combattante José, de l'Amazon José est en ligne. On va l'écouter. Noircissez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Bravo, combattante. Je vois, je te suis depuis le matin. Mais c'est le matin chez nous. Je n'ai même pas pu accompagner ma fille à la garderie comme il se doit parce que j'étais en train de suivre... J'étais mordue par ton direct, toi. Merci, merci. Effectivement, le mois de mars, c'est notre mois. C'est ton mois, c'est mon mois. C'est le mois de la femme au Nozo. C'est le mois de la femme au Nord Cameroun. Oui. C'est le mois de toutes les femmes. C'est ce mois, c'est l'occasion où toutes les femmes, toutes les femmes, toutes les Amazones, toutes les combattantes devraient se lever. Ouais. Devraient se lever comme les enfants d'une même mère pour dire plus jamais, jamais ça. Plus jamais ça sur ce qui se passe sur nos sœurs. Voilà. Sur les épouses. Ouais. Pour dire plus jamais ça. Ouais. Que la femme comme Monique Koumateke. Koumateke, que ça n'arrive plus. Ouais. Soit éventrée devant les hôpitaux parce que il n'a pas d'assurance. Parce qu'il n'a pas de prise en charge. Ouais. C'est le moment où la femme camerounaise, nous, les parents, doit se tenir comme les enfants d'une même mère. Pour dire plus jamais ça. Qu'une femme comme Michel Ndonki soit arrêtée abusivement. Voilà. Et non se lever et porter les habits du 8 mars, marcher comme les femmes folles. Parce que même dans la Bible, on parle de la femme folle, on parle de la femme sage. Sage, voilà. C'est le moment où la femme camerounaise doit s'aligner derrière les femmes sages et non derrière la femme folle. La femme folle. Parce que la femme folle, c'est celle-là qui va porter son cabas le 8 mars, descendre dans la rue, boire toute la nuit, abandonner les enfants, bagarrer avec son mari le lendemain. Non. Voilà. Au 21e siècle, non. Ouais. Au 21e siècle, non. Ouais. Le 8 mars doit être une occasion pour nous où on doit réfléchir. On doit réfléchir. Et la femme, ils savent que la femme, justement, la femme sage bâtit sa maison. Donc, qu'ils comprennent. Et la folle la détruit. La détruit, justement. Alors, c'est l'occasion pour nous d'interpeller toutes nos sœurs, d'interpeller celles qui sont encore folles, de joindre. Les rangs
de la femme sage. Voilà. Je pense qu'en gros, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et je ne vais pas monopoliser la parole parce que je n'aime pas monopoliser. Mais avant de partir, je vais vous donner un peu notre calendrier du côté oui. du Canada. Parce oui. qu'en même temps, je suis organisatrice d'événements. Ça fait environ 4 ans que nous organisons la Journée internationale de la femme du côté du Canada. Et cette mm-hmm. année, j'interpelle encore la femme qui me suit de ce côté de joindre les rangs de la femme sage. Mm-hmm. Il est temps d'abandonner les rangs de la femme folle. La folle. Femme sage, c'est celle qui s'indigne ouais. lorsque une sœur est maltraitée, lorsque mm-hmm. une sœur est tuée, lorsque mm-hmm. une sœur est dénudée. Voilà. Et non celle qui dira « je m'en fous parce que j'ai tel ou tel autre intérêt dans la mangeoire ». Voilà. Égal le parti politique, je dis toujours égal le parti politique, on doit être capable de s'indigner lorsque la femme est ridiculisée, lorsque ridiculisée. La femme voilà. est tuée, lorsque mm-hmm. la femme est maltraitée. Justement. Et lorsque, pire encore, lorsque les enfants sont mêlés. Parce voilà. que quand on parle de la femme du nozo, il y a l'enfant. Il y a l'enfant. Il y a les enfants qui sont prises en brousse. Ouais. C'est la femme n'est pas sortie seule de sa maison lorsqu'elle fuyait la guerre. Quand Justement. Tu entends la guerre, tu prends les enfants. Peut-être tu es enceinte au moment où il y a cette situation. Tu te retrouves en brousse. Tu vas enfanter en brousse. Voilà. Je me pose la question jusqu'à présent. Est-ce que les femmes, certaines femmes ont la pierre à la place du cœur. À la place du cœur. Parce que c'est la femme qui enfante. C'est la femme qui sent les douleurs. C'est la femme qui sent les contractions. Je comprends encore que les hommes, dans cette guerre, dans cette bataille-là, essaient d'aller dans tous les sens, comme on parle de tous les sens, voilà, justement. Mais je ne comprends pas le silence de certaines femmes. Je ne comprends pas le silence de certaines femmes. Peut-être au Cameroun, on va dire qu'elles sont zombifiées, elles sont intimidées. Mais à l'extérieur, pourquoi toutes les femmes ne s'indignent pas? Justement. Pourquoi toutes justement, les femmes ne se lèvent pas? Pourtant, c'est elles qui procréent. C'est elles qui enfantent. Voilà. Pourquoi elles ne s'indignent pas? J'interpelle toutes les femmes qui m'écoutent en ce moment de rejoindre les rangs de la femme sage et non oui. rester dans les rangs de la femme folle. Dans les rangs de la femme folle. Oui. Parce que la femme folle détruit sa maison et la sage la bâtit. La bâtit. Bâtir ta maison veut dire que tu t'indignes lorsque une sœur est dans la mauvaise passe. Voilà. Tu t'indignes lorsqu'une sœur va procréer et laisse sa vie. Pourtant, voilà. c'est la naissance, on décrit un peu la naissance comme l'événement la plus joyeuse de la vie. Mais voilà. Monique Umateke en a laissé sa vie. Voilà. Pas parce que c'était écrit qu'elle devait mourir, mais parce qu'elle n'a pas eu les soins. Les soins, justement. Et toi, femme, où est-ce que tu prends le courage pour ne pas dénoncer? Et je dis toujours, celle qui ne dénonce pas est complice. Est si complice. Tu ne dénonces pas, tu es complice. Si ça, tu ne t'indignes pas, tu es complice. Ouais. Si tu ne t'indignes pas, tu es complice. Ça, c'est mon message du mois de mars. Que toute femme qui ne s'indigne pas, qu'elle sache qu'elle est complice. Et au moment voilà. opportun, elle va devoir payer. Rendre compte, ouais. Elle va devoir rendre compte. Parce que le changement, tel que moi je vois ce changement, ça ne passera que entre les mains de la femme. Des femmes. Ça, c'est, ouais. C'est ce que moi je vois. Et j'en ai discuté avec maman Eliane. J'ai dit, oui. maman Eliane, moi je vois que ce changement passera par les mains de la femme. Ça va passer par les mains de la femme. Ça va passer par les mains de la femme. Si toutes les femmes descendent dans la rue, vous pensez que cette armée-là va tirer sur les femmes? Non. Si on descend dans la rue avec nos enfants, vous pensez qu'ils vont tirer sur nous et sur nos enfants?
Non. Femme, levons-nous. Ne dis pas qu'aujourd'hui, c'est parce que c'est Onozo. Demain, ça arrive. Quand... Oui. Quand il y a l'incendie chez le voisin, ne reste pas chez toi, tu mets la couverture chez toi et tu regardes ta télé sagement chez toi en disant « Oh, c'est la maison du voisin qui brûle. » Ouais. Parce que demain, c'est ta propre maison qui va s'incendier. Ouais. Je vais un peu paraphraser. Regardez qu'est-ce qui s'est passé avec le marché Congo. Oh, ben justement. Le marché brûle pendant 8 heures de temps, pendant 10 heures de temps. Les marchés des femmes, les boutiques des femmes brûlent. Et attendez, ça ne vous révolte pas. Justement, il y a zéro sapeur-pompier. C'est-à-dire, il y a un camion qui vient après, on dit l'eau est finie. 7 heures de temps passent avant qu'on ne vienne, ils ne reviennent. Donc, plus de 6 heures de temps passent avant qu'ils ne reviennent. Ils ne s'indignent pas. Ils ne s'indignent pas. Elles ne s'indignent pas. Tout ce qu'elles savent faire, c'est pleurer. Mes sœurs, réveillons-nous, changeons nos cœurs, remettons les cœurs de chair à la place du cœur de pierre. Oui, ça commence au Nozo. Voilà les marchés qui sont en train de brûler. Pourquoi les marchés brûlent? Ce n'est pas le hasard. Moi, j'ose croire que ce soit un fait de hasard. Et même si c'est le hasard, où sont les institutions pour venir éteindre un feu, pour venir éteindre un feu dans un marché quand le marché brûle? Brûle. Le marché est passé en poussière. Donc, il n'y a pas de sapeurs-pompiers dans une république comme le Cameroun. Il n'y a pas d'eau. Et les femmes, vous allez vous apprêter le 8 mars pour aller défiler pendant que vos boutiques sont brûlées. Mais ça, c'est de la bullshit de tabarnak. C'est la bullshit. Si vous ne vous réveillez pas, nous, on a beau se battre. Et vous-même, vous ne vous levez pas. On va se battre pour vous jusqu'à quand? Il est temps de comprendre que nous qui sommes en Occident, on n'a pas grand-chose logiquement à gagner dans cette bataille. Je vis au Canada, je suis canadienne, je suis là avec ma maman, je suis là avec mes enfants, je suis là avec ma famille. Je pouvais m'en foutre du pays. Je pouvais dire, moi, si je ne pensais qu'à moi, là, le mot moi, là, l'égoïsme, là. Si toi, ma soeur qui est en Italie, tu ne penses qu'à toi, là. Justement. Tu peux tourner la page. Tu peux tourner la page sur le Cameroun. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on met nos têtes à prix? On s'arme de courage aussi. Ce n'est pas que nous-mêmes nous ne sommes pas menacés. Nous sommes interdits d'arriver au Cameroun. Nous en sommes interdits de tout. Nous sommes interdits. Donc, cette interdiction parce que ça n'enlève même pas peut-être grand-chose. Si tu peux pas aller au Cameroun, tu peux aller en Égypte, tu peux te promener partout. Oui, ça aussi, c'est clair, justement. Justement. Aller même au Cameroun, même parfois, c'est source de dépenses. Ça, quand c'est je vrai. Dis je prends mon argent, je vais dans le sud, je dépense moins que si j'allais au Cameroun. Ouais. Aller même au Cameroun, mais encore, je vais encore rendre service à ceux qui sont là. Qui sont là-bas. Mais si ce n'est pas pour mon plaisir personnel, je peux aller à côté. Ouais. En fait, le fond de mon message en ce moment, c'est pour dire à la femme camerounaise qui est sur le terrain que nous, les Amazones de l'Occident, on pousse, mais il faut qu'à un moment donné, vous réveillez. Vous réagissez justement. Il faut réagir. Il faut qu'à un moment donné, parce que tu as beau aider un enfant, pousser un enfant, mais à un moment donné, il faut que l'enfant prenne sa chance. Ouais. Parce que c'est une chance que nous vous donnons. C'est une chance que nous vous donnons. On essaie de vous amener de courage, de force. Mais c'est à vous de la saisir. Et de nous encourager. En fait, de nous encourager aussi. On doit s'encourager mutuellement. Tu vois, on doit s'encourager mutuellement. Parce que c'est un combat avec tout le monde. Le Cameroun changera avec tous ses fils et ses filles. Tout à fait. Mais je dis toujours, je continue à dire qu'ils ont plus d'intérêt. Moi, je n'irai pas chercher à avoir un poste ministériel au Cameroun, non? Ouais, ouais. Mes enfants n'iront pas chercher un poste ministériel au Cameroun, je ne crois pas. Mais c'est plus à leur avantage. Ça, je le dis, ça c'est moi. Je le dis.
Ça, c'est moi, je le dis, je ne fais pas ce combat et j'attends quelque chose en retour. Non, je veux que le Cameroun soit stable, je veux que le Cameroun respecte les droits de femmes, je veux que le Cameroun respecte les enfants, je veux que le système, comment on appelle ça, que le système social au Cameroun fonctionne un peu. Ma soeur, c'est vrai, mais c'est aussi à nous, en fait, je les comprends un peu, c'est aussi à nous de les rassurer parce qu'en fait, vous, nous qui sommes ici, on ne comprend pas sur quel... C'est-à-dire, le pouvoir les a tellement emprisonnés dans cette peur-là. Et on exerce une pression vraiment très, très, très grave contre eux. Et franchement, je te jure que dans les quartiers, on m'a dit, il y a des antigans, tu soulèves un peu la tête, on te prend. Et ils prennent un à un, un à un. Donc, ce n'est pas facile aussi pour eux. Ce n'est pas facile pour nos sœurs. Ce n'est pas facile. Ça, il faut vraiment qu'on travaille, on les encourage. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de combattantes, beaucoup des Amazones qui veulent réagir, mais tellement elles ont peur, parce que c'est un travail qu'ils ont fait depuis 37 ans. Mettre les Camerounaises, c'est-à-dire que mettre cette psychose-là pour que les Camerounais ne réagissent pas. En fait, qu'ils aient peur. La preuve en est. Lorsqu'on fait les marches, quand tu vas voir les commentaires, les gens, il y a des gens du régime, parce que je dis toujours, ceux qui font les commentaires, qui sont avec le régime, c'est parce qu'ils profitent de ce régime-là. Mais la majorité silencieuse, elle est là, et elle est nombreuse, elle ne parle pas. La majorité silencieuse. Ceux qui sont là à faire des commentaires désobligants, c'est-à-dire qu'ils sont avec le régime, c'est parce qu'ils profitent de ce régime-là. Ils profitent du système. Mais même s'ils ont peur, allez créer les faux profils quand on fait les commentaires. Si vous ne voulez pas vous faire identifier, parce que moi, là, je vais avec mon profil et je m'en fous. Allez créer les faux profils. Ça, c'est encore une autre astuce que je vous donne parce que je sais que... Et vous venez, lorsqu'on fait des directs de ce genre, vous venez nous dire tout ce qui se passe, la réalité de ce qui se passe au Cameroun. Parce que moi, j'ai vu ce garçon qui est venu, je n'avais même pas envie qu'il quitte les antennes. Il est venu nous faire un témoignage qui était réel. On a besoin de ce genre de commentaires. Justement. On a besoin de ce genre de commentaires. Qui crée des faux profils, il vient nous écrire des choses, il vient nous décrire des choses qui sont réelles. On dit qu'il n'a pas le réseau au sud, au nord-ouest, il y a encore le réseau. Moi, je communique encore avec des gens qui sont là-bas. Je vous assure, c'est horrible. Je vous assure, c'est horrible. Il y a les écoles, les écoles, comme on appelle les SEC ou quoi que ce soit, qui est ouvert à Boya. Et il y a les professeurs qui se font kidnapper tout le temps. Les étudiants même, c'est un jour de classe, c'est deux jours, il n'a pas classe. Mais attends, qu'est-ce que ce régime fait? Qu'est-ce que ce régime veut pour nos enfants? Ils sont là-bas, c'est comme ça que pour quitter Moi, j'ai eu un témoignage de ce genre la semaine dernière. Pour aller étudier. Et le gouvernement est au courant que nos enfants qui sont étudiés là-bas étudient dans des conditions qui sont précaires. Ces enfants-là, on peut les tuer à tout moment. On peut les kidnapper à tout moment. Le gouvernement est au courant parce que ce n'est pas leurs enfants. Ils envoient leurs enfants dans les grosses universités en Occident. Mais nos enfants risquent... Au prix de finir les études, je parle bien de l'ESSEC, je précise bien parce que j'en connais des enseignants qui sont là-bas à Boya. Je vous assure, ils font un jour de cours, trois jours, il n'a pas cours, il y a les tirs partout. Parfois, il faut attendre que la route soit calme pour traverser. Ils traversent même parfois en convoi. Un peu comme on allait au nord à l'époque, ou au Tchad à l'époque, pour ceux qui connaissent cette route, moi je connais ce chemin. Il y a une zone qu'on appelle Zigué. Lui, on appelle Zigué Zigali. Quand tu arrives là-bas, tu sors ton chapelet, le musulman sort son chapelet, le chrétien, vous commencez à réciter toutes les sommes, parce qu'on appelle ça la zone rouge. C'est rendu au niveau de Boya et Yaoundé. Il y a la zone rouge. Il y a la zone rouge. Et ce que je dis, c'est réel, parce que je communique avec les gens qui sont là-bas. Alors, que nos soeurs qui sont au Cameroun ou nos frères qui sont au Cameroun, qui m'écoutent et qui savent que ce que je suis en train de dire, c'est vrai, qui créent même des faux profils, ils viennent dans les directs comme ça, nous décrire, nous bombarder d'informations. Ouais. Au moins, ça nous aide. Ce que le gars a dit tout à l'heure, c'est vrai. Quand il a parlé,
j'ai fait directement le lien avec ceux avec qui moi je communique là-bas dans le NOZO. Avec, il y a le réseau. Il y a le réseau, mais qui nous passe quand même l'information. Ils ont peur de quoi? Qu'ils créent des faux profils. Ils viennent quand on fait ce type de direct, ils viennent nous bombarder d'informations. Parce que l'information, c'est la clé. C'est la clé du combat. Justement, nous nous sommes mis sur la... Ou n'ont pas l'intelligence de le faire. Qu'il faut créer les faux profils pour aller dans les directs des clashs. Ils ont l'intelligence. Ils peuvent utiliser le même système pour venir nous bombarder d'informations. C'est le mois du mois de mars. On veut voir les photos, on veut voir les vidéos. On veut savoir exactement, on veut avoir l'heure juste de la situation pour savoir, pour avoir les armes de communication. Oui, oui. Sinon, nous-mêmes, parfois, on est limité dans la communication. Ça, c'est vrai. Donc, c'est ça. On ne va pas dire qu'ils ne sont, qu'elles sont les mains liées. Non. Oui, vous avez peur de descendre dans la rue, mais vous pouvez faire quelque chose. Bombardez-nous d'informations. On a besoin d'informations. Parce que ce que le gouvernement fait, c'est la contre-information. Ouais. Ils viennent. Oui, mais savez ça qu'ils essayent de qu'ils nous ont fait dormir pendant des années. Alors, on a besoin d'informations. C'est la clé du... Je dirais ça et je refuse. Créer les faux profils, bombardez-nous d'informations, bombardez-nous de photos, bombardez-nous des choses qui sont réelles. Voilà. Avec ça, on va avoir plus d'âmes pour continuer dans cette bataille. Dans cette, voilà, justement. Parce qu'il y a aussi un travail de fond qui se fait derrière. Donc, du coup, avec toutes ces informations-là, on a du gros boulot qu'on fait. Donc, envoyez-nous des informations, des vidéos, des images. Envoyez inbox. Vous avez les inbox de toutes les pages. Créez les faux profils si vous avez peur. Créez les FP. Créez les faux profils. Justement. Vous avez créé, parce que je vous vois dans les faux profils dans tous les Congos, ça là-bas. Créez les FP. Vous venez nous donner les informations et nous, on va bombarder et nous, on va avoir les éléments, nous aurons des éléments pour appuyer notre thèse. Oui, pour appuyer notre thèse. Tout à fait. Donc, je vais chuter en vous parlant de l'événement. Merci. D'accord. Dans notre mois du mois de mars, on a 3 événements. Le 8 mars, je représente le groupe des femmes actives du Canada. C'est un organisme canadien. Et je n'ai pas créé ça parce qu'il y avait des affaires au NOZO. Ça fait 7 ans que mon organisme existe. J'étais en Haïti après le tremblement de terre et j'y vais constamment en Afrique. Alors, je me suis penchée cette année sur le cas du NOZO. Et c'est pour ça que vous voyez cet accoutrement pour dire à la femme du NOZO que tu n'es pas seule, ma sœur. T'es pas seul. C'est vrai qu'au début, on était stupide, on était crétin, on était tout, on était... Mais aujourd'hui, on a compris et on a décidé de venir essuyer vos larmes. Et vraiment, je me mets à genoux devant toute femme, devant toute famille du NOZO qui nous suit en ce moment pour dire vraiment, on n'avait pas compris. On ne vous avait pas compris. Vous étiez incomprise. On vous demande... Mille fois pardon. Et ouais, on ne va jamais cesser de vous demander pardon. Parce qu'on a grandi dans ce pays anglophone, francophone, on était un. Et on veut toujours rester un. Donc, du côté du Canada, ça se prépare le 8 mars, une grande conférence qui va passer sur plusieurs sites. Vous aurez les informations. Après, vous pouvez m'écrire aussi inbox pour qu'on s'échange un peu. Et le 9, il y a une marche en noir qui se prépare aussi. Et pour clôturer le tout, parce que le mois de mars reste toujours notre mois, on ne laisse même pas un jour. Ouais. Donc, le 30 mars, on va organiser la soirée, une levée de fonds. C'est un événement à nous, Sibaïntia. Regarde-moi, Sibaïntia. Les matins, si tu ne parles pas, si elle ne me voit pas que je fais mon direct, elle ne m'appelle même pas 50 fois. Elle m'appelle, je ne réponds pas, elle m'appelle pas. Demain que les auditeurs m'excusent. je l'aime pareil. Donc, le 30, on organise une méga soirée. Alors, je pense que ceux qui m'écoutent
savent à quoi ressemblent les soirées de la PDG. Chic, ça va être une soirée levée de fonds, mais ça va être une soirée tapis rouge pour faire encore honneur à la femme du Nozo. Nous allons ramasser les fonds et tout ce que nous allons ramasser, on va trouver le moyen de soutenir la femme du Nozo. Je trouve toujours le moyen d'envoyer les fonds à la bonne place parce que ça fait 7 ans que je le fais. Mais cette fois-ci, je me suis penchée sur la sœur du Nozo. Je me suis penchée sur l'enfant du Nozo. Alors, on espère que cet événement va être plus que réussi. Plus que les années antérieures. On veut même qu'il n'y ait pas de place. Et les gens peuvent acheter même leur billet de 25 $, même s'ils ne participent pas à l'événement. Ça veut dire que peut-être vous êtes en Italie, je ne sais pas si quelqu'un veut acheter son billet. Il achète son billet pareil. Et puis on va soutenir, on ramasse les fonds pour soutenir la femme du Nozo. Ok. Seul, c'est difficile, mais ensemble. Ensemble, on est plus fort. Ouais. Ça, merci, justement. Merci vraiment, ma sœur. Merci, l'Amazon du Canada. Je te remercie grandement d'avoir pris la parole sur ce live. Quoi. Merci, on est ensemble jusqu'à. On mène le même combat, justement. Justement. Donc, à chaque fois que tu es connecté, si j'ai l'occasion, je ne manquerai pas de venir. Fais mon coup de gueule. Merci vraiment. Moi, c'est vrai que j'interviens un peu moins dans les directs. J'interviens souvent un peu moins dans les directs, mais moi aussi, pareil, chaque fois que tu seras connecté, je viendrai. Si je peux apporter ma part de contribution, ça sera avec plaisir. Non, je dis le changement passera par la femme. Donc, femme, voilà. Je pense que nous sommes sur le bon chemin et on ne va pas abandonner. D'accord. On ne va pas se laisser intimider. Même on ne se laisse. Il y a les dons qui sont en train de naître, qui sont encore nés, qui sont même il y en a des multiples. Voilà. On se multiplie tous les jours. Voilà. Merci. Bonne soirée. Bye. Bye. Okay. Bye. Voilà, c'était la Madame du Canada. Je me joins à elle pour vous demander pardon aux femmes du Nozo, comme vous avez entendu notre Amazon le dire. On vous demande pardon, on le fera encore après ce combat. Pour l'instant, mettons-nous ensemble pour combattre le bon combat, nous avons un seul objectif et nous avons le même objectif. Nous tous, on a un seul ennemi. Donc, mettons-nous ensemble et quand on les fera après, nous vous demandons vraiment pardon. Je prends une autre Amazon, comme j'ai dit, priorité aux Amazones. Alors, priorité aux Amazones. Après, je vais prendre d'autres personnes encore. Donc, ne vous en faites pas. Envoyez juste les demandes. Enfin, bientôt. L'Amazon Solange. Bonjour, l'Amazon ma fille. Bonjour, ma mère. Bonjour. Bonjour, l'Amazon Solange. Ah, bonjour. Merci beaucoup. Je n'avais pas l'intention d'intervenir parce que je suis encore bleue. Mais la combattante PDG des bureaux, José, m'a donné l'envie d'intervenir. Je tenais à lui dire, parce que je la suivais un peu, donc je connais bien. Merci papa, merci du complément. Voilà, vas-y. Je la suivais, la PDG des bureaux, donc je connais un peu qui elle est. Et ça me fait énormément plaisir qu'elle ait pu prendre cause dans ce combat. Elle a pu faire part dans ce combat. Et j'appelle beaucoup comme elle, qui se connaissent, de faire comme la PDG des bureaux. La PDG, ouais. J'appelle beaucoup parce qu'en ce moment, c'est un combat pour toutes les femmes camerounaises. Donc, laissons nos divergences de côté, comme tu l'as dit tout à l'heure, et tenons-nous la main pour libérer notre pays qui a un énorme besoin, pour venir en aide à nos sœurs et mères au Nozo.
Donc, ça, c'était pour justement. La PDG José des bureaux. L'Amazon Karine, la maman Karine dit que tu travailles trop, donc il faut un peu. Non, il va travailler parce qu'avec le truc qu'on a lancé là pour la contribution pour la résistance. La contribution justement pour la résistance, il faut l'argent. Voilà, il faut la résistance a besoin d'argent, voilà, il faut travailler. Il faut travailler. Et moi comme tu sais très bien ma fille, moi quand je travaille pas, je suis malade. Voilà. Donc, ouais. Le travail pour moi c'est une drogue. C'est une drogue, voilà, justement. Donc du coup c'est ça. Donc du coup, je remercie beaucoup l'Amazon, la combattante José. Merci, bienvenue dans le combat. Et que d'autres fassent aussi comme elle. Bon, en ce qui concerne le 8 mars, la journée du 8 mars, tu as tout expliqué. J'espère que les femmes ont compris. On n'a pas besoin de se pagner. En fait, pour ceux qui viennent d'arriver, qui viennent d'entrer dans le live, en fait, la question était la ceci. Quel regard la femme camerounaise devrait-elle porter sur la journée du 8 mars 2019? Donc, c'est juste pour répéter un peu. Oui, moi, je pense que le regard que la femme camerounaise doit porter par rapport à cette journée du 8 mars 2019, c'est que la femme camerounaise, en ce moment, est en deuil. On est en deuil. On pleure. On pleure parce que nos sœurs Onozo pleurent, donc on est obligé de pleurer avec eux. Donc, on doit nous mettre à leur disposition. On doit se battre. En fait, il faut aussi préciser que la femme ne pleure pas seulement Onozo. C'est vrai qu'il y a plus de femmes qui pleurent Onozo, mais vous-même, dans toutes les villes du Cameroun, les femmes pleurent. Elles pleurent parce qu'elles perdent des enfants. Elles perdent des enfants sur les routes. Elles perdent des enfants dans les hôpitaux parce qu'il n'y a pas de parce que la femme n'a pas sa place. De médecins. Voilà. La femme n'a pas sa place dans la société camerounaise. Elle paie ses enfants sur les routes à la recherche du bonheur, dont, partout. Dont la femme camerounaise doit pleurer, s'indigner, parce que ses fils meurent. Ses donc fils mes et soeurs, ses filles meurent. Mes soeurs, mes mamans, s'il vous plaît, remettez-vous en question. Asseyez-vous vous-même et posez-vous la question. C'est-à-dire, remettez-vous en question, posez-vous la question, demandez-vous où va votre vie. Si ce pain est vraiment nécessaire, posez-vous des questions. Vous avez beaucoup de choses qui vous manquent dans vos vies. C'est ça que vous devez réclamer. À propos du pain du 8 mars, je vais passer un message en Douala. Voilà, parfait. Banyango bam, na bandome bam, na poende ou, nende sos me bignon. Mimbu naibinga mimbu mininga min mwana babuse no dibato duole na babe no na dibato la week mass mbute babuse mo lo mandande mbute babuse mo bien on met le kibe waboa to moni ma wala donc ita oiben nde wanongo soa moni oben o wajanda dibato son na base son de bien na mimbu lo mandano dibato la boto no mo la tu kwande nje o malunge manywe. Donc, on y a ni canaille, bah, ils sont des biona, sosimene biona, l'odje, l'odjouté, l'ombre na bion, mène, le bah, ils sont là, et pour la nuit, dans le bain, non, au tumba la Cameroun, l'ende wenye, on y a ni ka, sonna, sosimo biona, bion mène l'odjouté, to bien dans le malade, on a dit bato, d'être un amba, na, bah, ils sont biona, dit bato, dit ben, et bion, et boulot, et voit, dans le sang d'amo, na som, na timse, ni on dit à la ma soma, et bien, moi, bamba, te baisse. Ok, j'ai passé le message. J'espère que... Merci. Je ne vais pas rester longtemps parce que je suis au boulot. Merci voilà. beaucoup. Merci, ma mère. Merci. Je suis très fière de toi. Vraiment, ma chérie. Merci. Il faudrait que toutes les femmes soient belles, rayonnantes comme ça. Et pour cela, il faut lutter pour la bonne cause. Il faut s'indigner pour des bonnes causes. Il faut travailler. Voilà. Exactement. Merci, ma mère. Bonne D'accord. soirée. De toutes les manières, tu restes sur le direct, même oui, si tu es au là. Boulot. Non, dans mon boulot, je n'ai pas quelqu'un derrière moi, donc... Voilà. Non. D'accord. Merci. D'accord, bonne soirée. Donc voilà, c'était l'Amazon Solange, vous l'avez écouté. En Douala, j'espère que le message est passé. On va prendre quelqu'un d'autre. La question à répondre, bon, priorité aux femmes, mais bon, si les femmes n'ont pas envoyé les demandes, je prends les hommes. La question, c'est quel regard la femme... Ah, je vais prendre la maman Karine, l'Amazone Karine Gambette.
Aucune réponse, maman Karine. Je vais essayer encore. Je vais essayer. Aucune réponse. Pourquoi ça me dit aucune réponse? Aucune réponse. Karine Gampette. On reprend encore l'Amazon, Karine. J'espère que ça va prendre. Bon, je vais prendre quelqu'un d'autre, maman Karine. Après, je te reprends. Parce que j'envoie la demande chez toi, ça ne prend pas. Ça ne prend pas, les demandes ne prennent pas. Bonnie Aboudoulaye Karim, je suis en train de te prendre, Bonnie Abdou. Mais ça ne prend pas. Je ne sais pas pourquoi les demandes ne prennent pas. Je vais essayer de faciliter les demandes. Vous réenvoyez les demandes. J'efface. Essayez de renvoyer les demandes. Comme ça, je vous prends pour que vous interveniez 5 minutes et puis. On va arrêter le direct. Comme vous savez, c'est le marathon des directs. Donc, juste après moi, le général Calibri, juste après moi, vous vous transférez sur la brigade anti-sardinat de la France. Le général Calibri sera en direct. Voilà, je prends Stevie. Je prends Stevie. Maman Karine, c'est encore la demande. Je n'arrive pas à te prendre. Bon, Bonsoir, Stevie. madame. Bonsoir Stevie, c'est comment? Ça va très bien. Tu es extrêmement rayonnante ce jour. Bon, Merci, pas qu'avant, tu merci. n'étais pas rayonnante, mais c'est Merci, plus merci. explicite aujourd'hui. En fait, je ne vais pas parler en 5 minutes. Je vais juste prendre 2 ou 3 minutes pour dire ce que je vais OK. dire. Je voulais dire que, déjà, merci pour le combat que vous faites parce qu'on a rarement vu les femmes camerounaises se lever, prendre les devants pour un combat qui concerne la politique parce que les femmes disent parfois que la politique et moi, c'est pas ça. Donc, quand j'ai commencé les études de politologie, ma mère a failli me tuer parce que c'était pour elle un suicide total. Donc, c'est pour dire que je l'ai fait pourquoi? Parce que le rôle de la femme est incontournable dans la société. Qu'on le veuille ou pas, on doit donner un respect à la femme. Ce n'est pas... C'est vrai que le combat qu'on fait aujourd'hui pour faire partir Paul Biya, c'est un combat premier. Mais le deuxième combat sera le combat pour qu'il y ait l'égalité des chances au Cameroun et Au le travail pour Cameroun, les ouais. femmes. Donc, ça, c'est un point sur lequel. Je vais me battre aussi comme je me bats aujourd'hui par rapport à la politique au Cameroun. Mais je voulais dire que la société camerounaise, que la société soit la société camerounaise, française, européenne, elle commence par la maman, le père, l'enfant. C'est comme ça que la famille commence. Alors on voit tous au Cameroun comment la femme gère la famille. Parce que peu importe, le monsieur peut être un soulard, un alcoolique, un fumeur, qui ne prend pas ses responsabilités en main. Mais une fois qu'il a une femme qui sache, qui est capable de gérer la famille, la famille est une famille qui se porte bien. Les enfants ont un futur. Les enfants ont un avenir. Et hormis ça, la famille même du monsieur qui vient chez lui vivre dépend toujours de la famille de la femme, dépend toujours de la mère parce que la mère est celle-là qui couvre tout le monde. Donc c'est pour ça Justement. qu'aujourd'hui, c'est capital pour les femmes de rejoindre ce combat que vous faites là, de venir en tant qu'Amazon, comme tu as dit, de venir en tant que donneuse d'idées, de venir en tant que conseil, parce qu'on en a besoin. On a besoin de toutes ces personnes, on a de toutes ces forces-là. Donc, je voulais dire que le combat commence dans la famille. Et puisque le Cameroun, c'est notre famille, il faut que les femmes prennent leurs responsabilités, qu'elles responsabilisent nos frères, nos sœurs, les politiciens qui aujourd'hui ont vendu leur âme pour avoir un peu d'argent et se réclamer brigade des patriotes. Donc, déjà, c'est ce que je voulais dire. Et du courage à vous pour ce que vous faites. On Merci soutient Stevie. comme on peut. Merci. OK. Merci, merci. De toutes les manières, on fait le même combat et on continue, on continue, on continue. Merci, bonne soirée Stevie. Voilà, je vais essayer de prendre maman Gambette. J'espère que ça va prendre là. Ah oui, c'est en train de faire un jour en cours, maman. L'Amazone Karine Gampette sont en train de faire un jour en cours en espérant que ça prenne. Donc, la question que vous allez continuer aussi à vous poser, en fait, que vous allez continuer à débattre autour de vous, c'est quel regard la femme camerounaise devrait-elle porter sur la journée du 8 mars 2019? Salut maman, salut Amazone Salut, merci. Oui, Salut. salut. Ah ouais. Marque La de marque fabrique. déposée, voilà. Ah, pour laisser la place à... Je veux aussi dire la même chose. Tu es trop Nyanga, trop belle.
Merci. Tu portes notre travail en marche. Le c'est travail bien. Doit marcher, maman. Ça doit vraiment, justement. Oui. Donc, tu connais ma position hein, et les 116 personnes qui regardent, non, au 8 mars, j'ai commencé la lutte depuis. Depuis un an aujourd'hui. Et puis, je veux répondre à certaines personnes. Il y a un monsieur qui est venu, il dit, depuis que Koumateke est morte, pourquoi vous n'avez pas marché? Ça me sort pas des tripes. Ça me sort pas des tripes des réflexions comme ça. Franchement. Il faut que l'Africain, la femme africaine, que la femme camerounaise apprenne à s'indigner de l'autre. C'est-à-dire, j'ai toujours dit, je demande pardon à ces peuples du Nozo. Parce que c'est eux, ces femmes-là, ce sont ces gens-là qui m'ont fait, je me suis levée. Je me suis levée pour dire non, on n'extermine pas, on ne brûle pas la maison des gens, on ne tue pas les gens à cause d'un pouvoir. Et puis les femmes qui disent, c'est eux qui ont cherché, je veux leur répondre. Les Bamenda ne sont pas allés à Yaoundé tirer sur les gens. On a quand même déplacé les gens pour aller à Yaoundé. Exterminer un peuple. Je vais demander, quand ce problème de Bamenda a commencé, pourquoi le régime en place n'a pas trouvé une solution à l'amiable? Voilà. La solution qu'ils ont trouvée, c'est que ils vont aller les terroriser comme ils font d'habitude. Ils vont les exterminer et voilà là où nous en sommes. Ouais. Il faut que la femme africaine apprenne à s'indigner. On n'a pas de droit au Cameroun. On n'a pas de droit. Francine, j'ai été violée à 16 ans. Et mon violeur, il court toujours les rues. Il y a 30 ans de ça, il est toujours là. On m'avait envoyé puiser l'eau dans le village. Il m'a flattée avec des bonbons. Il m'a dit d'aller lui acheter la cigarette. Quand je suis venue avec la cigarette, il m'a tirée dans la maison. Il a fait ce qu'il voulait. Alors, mon père a porté plainte. Tu sais ce qui s'est passé? Il est venu donner 300 000 à mon père. Mon père a refusé. Non. Il a dit, je vais te traîner dans les commissariats. Et comme ça ne suffisait pas, il est allé voir le brigade, commandant de brigade de ma région. Il lui a donné 500 000 et c'est comme ça que l'affaire, on s'est assis. A été étouffé. Voilà, et ça fait 30 ans que ça dure. Donc on ne peut pas violer les femmes comme ça d'année en année. Tout le monde aurait pu regarder. Sans rien dire. Sans rien dire. Et je te dis, je me suis en sortie dans l'affaire, mais le monsieur dans tout le village, il a enceinté des femmes. Elles se sont trouvées enceintes à 16, 10. Il ne cherchait que des petites femmes, des petites filles de 15 ans, 14 ans. C'était un prédateur sexuel. Jusqu'aujourd'hui, il court. Quand je vais au Cameroun, j'ai envie de lui verser sa bière ou bien de lui verser du piment à l'œil. Non. Donc, il y a des choses dans la vie que les femmes arrêtent de boire, manger, soulever le kabadi que franchement ça suffit. Et je veux dire ici, moi j'étais comme les femmes qui sont au Cameroun aujourd'hui, on ne comprenait pas le sens de la fête, mais la seule différence c'est que je n'avais personne pour me dire ne fêtez pas parce que justement pas fêter, c'est les mêmes qui nous disent que c'est la fête, on a envie de fêter, mais j'ai envie de dire, vous fêtez quoi, femme? Quoi? Vous fêtez quoi? Voilà Madame Doki qu'on a traqué, vous fêtez quoi? On fête après un succès. Vous avez eu quel succès? Là, il voit l'origine même de la fête de 8 mars. Quand je suis entrée dans Google, j'ai vu 8 mars, j'ai tapé, j'ai lu à l'origine, il y a 144 femmes qui sont mortes dans une usine. Dans une usine. New York. Les autres femmes se sont indignées, elles se sont levées. Elles ont dit, les femmes ne doivent pas mourir, elles veulent une meilleure condition de travail. Justement. Ce que tu as expliqué en Russie, On avait massacré tous les hommes, et elles manquaient du pain. Elles se sont levées pour manifester la colère. Mais aujourd'hui, une femme vient mourir devant l'hôpital, les autres femmes viennent fêter.
Comme si ça vraiment n'arrivait qu'à une seule personne. Vraiment. Si on ne se lève pas pour vous pour sensibiliser, ça va toujours continuer de génération en génération. J'ai envie de dire encore, la lutte que nous menons, il y en a qui disent « Oh, je vais aller encore au Cameroun, on va m'arrêter. » Donc, ils savent déjà qu'il n'y a pas une liberté au Cameroun. Une liberté, justement, ils savent. Et ils ne peuvent pas se lever pour s'indigner qu'il n'y a pas de liberté. Oh. L'individualisme, « Non, j'ai encore mes affaires au Cameroun, je vais aller voilà au Cameroun. » C'est voilà ça. Parce c'est qu'on, ça, quand l'égoïsme, on l'individualisme, Paris, voilà. Quand on marche dans les rues de Paris, je ne trouve pas, il y a 60 000 Camerounais tapés sur Google, Camerounais résidant en Paris, en région parisienne. Ouais. On n'a même pas la moitié qui marche. Sous prétexte vraiment que elles vont aller au pays, on va... vous pouvez mettre votre vie entre guillemets si vous savez qu'on va vous arrêter au Cameroun et venir battre le pavé avec nous pour que celles qui sont restées au pays, que ça change. Ouais. Et que ça change plus rapidement. Plus rapidement. Ben voilà, plus rapidement. Ça m'indigne quand une femme ou quand quelqu'un vient, il dit « Je ne peux pas marcher parce qu'on va me voir et au Cameroun, à l'aéroport, on va m'attraper. » Qu'est-ce que vous allez au Cameroun dans ces conditions faire alors? Faire. Il y a une autre qui m'a dit « Oh, vous ne voyez pas comment les couturiers vont faire, ou bien SICAM va faire un manque à gagner. » Mais bon Dieu, il y a beaucoup de pagne dans SICAM. Il n'y a pas que le 8 mars. Voilà, il n'y a pas que le 8 mars. Il y a beaucoup de pagne. Et les couturiers qui disent qu'ils vont avoir un manque à gagner. Tu ne peux pas rester solidaire pour un seul jour en commémoration avec les femmes du Nozo qui n'ont pas voulu, qui ont voulu fêter ce jour-là avec vous et qui se trouvent dans la brousse. En train de le marché qui a brûlé là, s'il y avait une couturière parmi ces gens que le marché a brûlé, voilà, elle va coudre quoi ce 8 mars? Voilà. Elle va coudre quoi? Tout ça, c'est un système qui ne fonctionne pas. Voilà. Donc, j'ai envie de dire ça. Il y a un qui a dit, « Ah, Monique Koumateke, pourquoi vous venez maintenant ?» Nous venons maintenant parce que c'est une accumulation de trop de douleurs. De trop. On a accumulé. Et puis, avec le hold-up, on a dit, « On sort maintenant. » Ouais. Et l'accident de train des ECA, qui est venu voir les femmes ? Il y a des femmes qui, aujourd'hui, sont traumatisées parce qu'elles n'ont même pas eu le corps de leurs enfants pour faire un deuil. Vraiment. C'est passé comme si il n'y a même pas eu de psychologue, il n'y a personne qui est venu voir ces femmes-là. Personne. Et aujourd'hui, les femmes veulent fêter. C'est pour ça qu'on doit commencer à boycotter pour montrer au gouvernement que nous ne sommes pas d'accord de leur gérance. Ouais. Et pourquoi? Pourquoi, Francine, dans ce panne-là, chaque année, on change? Chaque année, justement, on change de panne. Justement, c'est là mon problème. Pourquoi on change de panne tous les ans? On peut nous mettre un motif de panne et à chaque fois, on change de couleur. Mais pour cette année, la femme qui met ça au Cameroun, je la prends comme une sardinade. On est obligé de dire comme ça. Ouais. La femme camerounaise qui mettra ce panne cette année, elle n'est rien d'autre qu'une sardinade qui cautionne et criminelle, le régime criminel qui est en place. Voilà, et c'est une criminelle. On ne peut pas rentrer chez les gens, on brûle leur maison, on brûle les hôpitaux. Vous avez vu en dernier le petit garçon qui était malnutri, son père était là, franchement, comme ça, là. Oui. Pétait quoi? Où étaient les femmes? Vous êtes où? Où sont les femmes pour s'indigner, pour se rassembler auprès du gros Paul a dit que non, tu ne dois pas traiter mes enfants comme ça, mon enfant comme ça. C'est quoi le problème de la femme camerounaise? C'est quoi le problème de la femme camerounaise? Parce qu'on m'a dit qu'au Bénin, ça ne se passe pas comme ça. En Côte d'Ivoire, ça ne se passe pas comme ça. C'est le seul pays où on met le bagne. C'est le seul pays Même si on vous tire dessus, le jour-là, ne sortez pas. Ne mettez pas le pagne, ne fêtez pas. Montrez à ce gouvernement que vous êtes fatigué, qu'il y en a marre que je sorte vendre ma tomate au bord d'une poubelle et je rentre, je ne peux pas me soigner, je suis malade. Il y en a marre que je mise toute mon économie sur un enfant qui va aller rester dans la Méditerranée pendant que vos enfants ils prennent des avions, des jet-sets. Ils sont dans les limousines, ils sont en train de faire la belle vie.
Il faut que la femme camerounaise apprenne à savoir que si Paul Biya ouvre une école quelque part, ce n'est pas avec son argent qu'il a ouvert, c'est l'argent des Camerounais avec ça qu'il a ouvert. Voilà, ce n'est pas un don qu'il nous fait. Ce n'est pas un don qu'il nous fait. Ce n'est pas un cadeau qu'il nous fait. Nous avons droit. Ce n'est pas un cadeau. On a droit à ça. En Europe, quand une femme veut accoucher, en France, quand une femme veut accoucher, au septième mois, on lui donne 700 euros, c'est presque 400 000 pour faire sa layette. Ouais. Et quand elle accouche, on lui donne 172 euros, c'est-à-dire 100 000 pour acheter au moins le lait et la couche de l'enfant, selon, entre parenthèses, les revenus. Ouais. Donc, on devait lutter aussi au Cameroun pour aller au moins accoucher gratuitement ou faire une césarienne gratuitement. Voilà. Et elles sont têtues. Elles disent, vous nous empêchez de fêter. Pourquoi? On va fêter. Ben, je vous dis fêter, mais celui que je trouve avec le pain ce jour-là n'est rien d'autre qu'un sardinard. Voilà. Qu'un sardinard. Une criminelle. Criminelle. Je l'associe à ce régime machiavélique. Ça, c'est clair. Pas de fête, pas de fête, pas de fête. Nous verrons l'année prochaine si ça ira. Il y a des hommes qui sont emprisonnés aujourd'hui. Ce sont les maris de vie. Il y a Njamel, il y a Foden, il y a Velsero, il y a celles même qui venaient rendre visite à leur mari. Et on les vraiment a empêchés. Les femmes, vous voulez fêter quoi? Parce que ça ne vous concerne pas. Et puis, je vous dis, attention, il y a une famine qui va arriver à Douala. Parce que Yaoundé et Douala respirent, ça va bien. Mais quand la famine va arriver, achetez vos riz, achetez vos pâtes, gardez. Parce que ça va être très grave, la famine, bientôt. Ça va être très grave, bientôt, la famine. Bamenda, il n'y a plus de nourriture qui sort. Il n'y a rien, personne ne cultive. Parce qu'il y a une dame qui me dit, tu pars au champ, on te rase, on te viole, on te coupe la tête. Donc, quand il n'y aura pas la nourriture qui sortira de Bamenda pour venir alimenter Douala, vous-même, vous allez dire, ah, l'affaire-ci est vraie. Donc, je me mets à genoux devant les femmes du Nozo. Je n'étais pas au courant de ce génocide. J'étais au courant très tard parce qu'ils ont caché les informations. Ils ont caché les informations. J'ai été au courant que l'année dernière. Qu'elle m'excuse, je suis avec elle de tout cœur. Et si je peux mettre ma pierre d'édifice pour qu'on vive ensemble, je mettrai. Je ne dors pas. Je ne peux plus dormir. J'ai tout ce qu'il faut pour réussir en Europe, mais je ne peux pas voir qu'une femme comme moi et en brousse, dans les moustiques et la poule, par terre, je reste, je dors. Et toutes ces femmes qui sont en Europe, elles dorment encore tranquilles, soi-disant, ça ne me concerne pas. Honte à vous. Ça ne me concerne pas, ouais. Honte à vous, vous devez sortir. Mettez le Cameroun en suspens pendant 2 ans si vous avez peur d'aller. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai dit, s'ils veulent m'attraper au Cameroun, eh bien, je prendrai d'autres destinations. Et nous, on les attend aussi ici. C'est bien beau. Voilà. Le Cameroun nous appartient, mais la diaspora aussi nous appartient. Nous appartient, voilà. Ça, c'est ce que je voulais dire, Francine, pour laisser la parole aux autres. Vraiment, les femmes, le panne de 8 mars. Soyons catégoriques là-dessus. Si je vois ma mère avec ce fichu de panne, si elle est malade, qu'elle aille voir Madame Touftouf pour demander les médicaments. Pour demander, voilà. Voilà. Moi, j'ai dit ça chez nous. Personne, zéro panne, zéro. L'heure n'est pas à la fête. L'heure n'est pas à la fête. Le Cameroun va mal et il faut que les femmes, c'est nous qui accouchons nos enfants. Nous devons le démontrer. Même si on a peur de sortir, on sabote ce panne, le gouvernement va comprendre. Même si on vous les partage, parce que j'ai appris qu'ils sont en train de les partager. Mettez sur le lit que vos enfants fassent pipi dessus. Voilà. Je vais voir qui va venir vous dire que pourquoi tu n'as pas cousu le pain. Tu lui dis que tu n'avais pas l'argent pour coudre. Prenez même l'argent pour coudre et tout. Vous mettez ça comme drap de lit de vos enfants. Ou vous cousez ça sur vos petites filles à la maison de 5 ans, de 6 ans, c'est tout. Si je vois même ça sur un enfant de 6 ans, je ne vais pas m'indigner. Tu comprends? Même si drap même pour le lit. Moi, j'ai dit même c'est... Ce pain de la malchance, il faut même l'oublier. Il faut même le brûler. C'est-à-dire utiliser comme le torchon, essuyez vos sols avec, essuyez le sol avec. Faites même le challenge, vous essuyez, vous faites les photos, vous nous balancez ça sur le net. Donc, essuyez, tuez ça pour le torchon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien.
on verra une, l'année prochaine si on pourra fêter ou pas. L'heure n'est pas à la fête, mes chères dames, mes chères mamans, ouais. mes chères tatas, mes petites sœurs. Je vous en supplie, l'heure n'est pas à la fête. J'en ai terminé, ma fille. Merci beaucoup, maman. Merci, mon Amazone. Maman Karine Gambet, j'aime beaucoup tes coups de gueule. Maman, tu as vu comment on souffre, non? Tout c'est sur notre tête. Tout c'est sur le dos des femmes. Non. Nous méritons mieux que ça. Nous méritons nous aussi méritons d'être mieux. Oui, voilà. Nous méritons d'être aussi sur d'autres plans que soulever un cabas. Le thème même voilà. c'est quoi? On ne nous dit même pas le thème. On nous verse les jeux d'argent. Voilà, il ne parle même pas du thème, mais il passe le temps à verser les trucs, à bavader. Franchement, on ne sait même pas. En fait, le thème de cette année, c'est la penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement. Innover pour le changement. Oui. Bon, il faudrait que le Cameroun... La femme handicapée. Ouais, même la femme handicapée camerounaise, qu'est-ce qu'elle a? Ici, une femme qu'est-ce handicapée, on les envoie quelqu'un pour les laver, pour les promener, pour les amener dans une salle de cinéma. Qu'est-ce qu'une femme camerounaise handicapée a? Ou quand tu as un enfant handicapé, qu'est-ce que tu as? Je me battrai pour les handicapés jusqu'à ma vie. C'est, voilà. Si je vais au Cameroun maintenant, c'est pour m'occuper des handicapés. Ça, c'est un truc qui me passionne. Si ce clown-là pouvait laisser le pouvoir qu'on vienne s'occuper des handicapés au Cameroun, il y en a énormément. Voilà. Qui est sur une béquille en train de marcher, il va s'aligner, il n'a même pas de priorité. Vraiment. Je suis entrée dans le taxi à Douala un jour, il y a un taximan qui a refusé de prendre un handicapé parce qu'il lui perdait le temps. Non, mais attends, tu as vu ça? Il dit, oh, il a les béquilles, il ne peut pas entrer vite, je m'en vais chercher mon argent. Tu as vu? Donc, je me battrai pour les handicapés jusqu'à ma mort. Ouais. J'en ai terminé. Ma... Merci, maman. Merci, maman. Bonne soirée. Voilà, c'était notre maman Amazone, Karine Gambet. Ouf, j'ai déjà surpassé l'heure. Comme je vous disais tantôt, nous sommes sur le marathon des directs. Maintenant, c'est Calibri Calibro, le général Calibri Calibro, qui est sur la page de la brigade anti-Sardina de la France. Ça a été un plaisir pour moi de partager cet après-midi avec vous. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre direct. Je n'avais que 2 heures de temps. Je vous donne encore rendez-vous sur cette page vendredi à la même heure. Donc, connectez-vous pour qu'on puisse débattre encore sur notre Cameroun, nous informer. Ça, c'est notre télé, ça, c'est notre média. Donc, passez le message à toutes vos sœurs, à vos mamans, à tout le monde, à vos copines, pour les hommes qui sont là, à vos sœurs, à vos mamans, à tout le monde, que ce 8 mars... Zéro panne du 8 mars, nous sommes tous en noir rouge pour célébrer, pour être en deuil, parce que nous sommes en deuil, et pour être aussi, en solidarité avec la femme du nord-ouest et du sud-ouest et de l'extrême nord, et des mamans qui perdent des enfants tous les jours pour le sang versé, Passez le message, vous avez été nombreux à me suivre, près de 150, 160 personnes, tous ces 150, 160 personnes, je vous invite tous à passer le message et restons connectés dans cette résistance, restons connectés, on va y arriver, nous sommes déjà presque au bout du tunnel, mais c'est la résistance, continuons, et je demande la libération de tous les prisonniers politiques, je demande la libération de notre président Maurice Kamto, je demande la libération de tous ceux qui sont arrêtés de manière injuste. Voilà. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.